Donc la première, on a vu la semaine dernière qu'une matrice diagonale était inversible si on avait une matrice qui était lambda 1, lambda n et que des zéros à côté. On avait vu qu'elle était inversible si et seulement si tout, quel que soit i, en fait tous les lambda i étaient différents de 0, et que dans ce cas-là son inverse, si ça c'était a et si ça c'est a moins 1. On avait vu que la matrice inverse était les inverses de tous les lambda i, donc ça fait du 1 sur lambda 1, pardon, et on va jusqu'à 1 sur lambda n. Ça, on l'a vu la semaine dernière. L'idée est la même ici. Sauf qu'on ne peut pas trouver la forme de l'inverse, c'est trop compliqué. Par contre, on peut prouver l'inversibilité sans problème. Si je vous donne une matrice T, qui est taille nn, on s'en fiche, mais qui est triangulaire supérieure, c'est-à-dire que par exemple, je vais remettre des lambda 1 jusqu'à lambda n, ici sur la diagonale, en dessous je ne vais mettre que des 0 et au-dessus réellement je m'en fiche, je peux mettre n'importe quel nombre, tout ce que je veux. Si j'ai une matrice comme ça, pour qu'elle soit inversible c'est à peu près évident. Pour qu'elle soit inversible, pour qu'elle soit de rang n, pour que j'ai n marches d'escalier, puisqu'elle est déjà triangulaire supérieure, j'ai pas le choix. Pour que j'ai n marches d'escalier, il faut qu'à chaque fois que j'ai un nombre, j'ai une marche. C'est la seule possibilité, vous êtes d'accord? Ce qui veut dire en fait que, ce qui veut dire qu'à chaque diagonale, par exemple là je vais dire je prends mon pivot sur lambda 1, j'ai rien à faire en dessous. À la deuxième ligne, je vais dire je prends mon pivot sur lambda 2 et j'ai rien à faire en dessous. Et je peux continuer comme ça. Pour avoir le droit de prendre n pivots sur cette diagonale, il n'y a pas le choix, il faut que tous les lambda i soient différents de 0. S'il y a un seul lambda i qui est nul, j'ai pas le droit de prendre tous les pivots. Donc c'est juste une petite propriété qui est là. Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ces termes diagonaux sont non nuls. Quelle est la forme de l'inverse? Là, il faudrait inverser avec tous les points d'interrogation que j'ai mis. On ne peut pas connaître l'expression de l'inverse, on n'a pas de formule. Mais par contre, instantanément, on sait qu'elle est inversible. Voilà pour ça. Ensuite, il y a deux petites propriétés sur les inverses quand on fait des produits et des transposés qu'il faut connaître. L'inverse d'un produit, donc si on note A, B, le tout moins 1, c'est tout simplement la matrice B moins 1 à moins 1. Bah oui, si les deux sont inversibles, si on cherche à faire un produit avec AB pour que ça fasse après fois quelque chose qui est égal à l'identité, clairement, comment vous allez faire pour obtenir l'identité ici? Vous allez multiplier à droite, pour compenser le B, vous allez d'abord multiplier par B moins 1, comme ça vous aurez du BB moins 1 qui fait l'identité. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez compenser par A moins 1. Donc cette formule, encore une fois, elle est tout à fait naturelle. Je pense même pas qu'il y a besoin de l'apprendre. Ça se retrouve en faisant deux petits calculs, si jamais il y en a besoin. Dernière propriété qui est aussi liée à cette petite propriété-là. Ça, par contre, encore une fois, la transposée, on s'en sert peu. La connaître, vous la retrouverez pas tellement on s'en sert peu souvent. Et en plus, à prouver, elle est un peu plus dure. Non, même pas en fait. Je dis n'importe quoi, à vouloir aller vite. Non, la preuve elle est simple parce qu'elle est basée sur un truc que vous n'avez pas à savoir mais qui est assez simple. Alors c'est assez bête. Je vous mets la matrice identité de taille n, je m'en fiche réellement. Donc des 1 sur la diagonale et des 0. C'est quoi la transposée de l'identité? J'inverse ligne et colonne. Cassiopée? Ah, je croyais que tu levais la main. Un exemple avec une matrice 3-3, hein, mais si vous prenez l'identité d'ordre 3, s'il n'y a pas de 3 petits points, c'est quoi la transposée de ça? La première colonne, ça doit devenir la première ligne. La deuxième colonne, ça doit devenir la deuxième ligne. La troisième colonne, ça doit devenir la troisième ligne. Cassiopée? Oui, la transposée de l'identité, c'est l'identité. Donc comment est-ce qu'on peut trouver l'inverse de transposée de A? On écrit juste que A fois A moins 1, ça fait l'identité. On transpose cette égalité. Si les matrices sont égales, forcément, leurs transposées sont égales. Maintenant qu'on a transposé, à droite, la transposée de l'identité, ça fait l'identité. Et à gauche, on l'avait vu, c'est une petite propriété sur la transposée qu'on avait vu au niveau du produit. La transposée d'un produit, c'est transposée de A moins 1 fois transposée de A. Et donc ça vous dit bien que l'inverse de la transposée de A, c'est la transposée de A moins 1. Donc c'est ce qui est marqué dans la propriété là-haut, hein.
C'est juste que la transposée de A le tout moins 1, c'est la transposée de A moins 1. Donc deux petites propriétés qu'on n'a pas vues. Je vais pas vous mentir, on va pas s'en servir très 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 souvent, mais elles sont officiellement au programme, donc faut que je vous les donne. Et deux définitions qu'on n'a pas vues, que c'était tout en haut. Je vous ai parlé de matrice diagonale, je vous ai parlé de matrice triangulaire, je vous ai parlé de matrice identité. J'ai oublié de vous parler de deux types de matrices qui sont officiellement au programme. Celle-là, on va s'en servir une fois de temps en temps, pas dans ce chapitre-ci, mais dans d'autres chapitres après. Donc il faut les connaître. Hop. Non, c'est pas ça. Je mets de page. C'est la notion de matrice symétrique et de matrice antisymétrique. Alors c'est deux concepts assez simples, j'ai déjà mis un exemple sur l'exemple, mais si on veut faire une matrice symétrique S, qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'idée c'est que sur la diagonale d'une matrice symétrique, je peux faire ce que je veux. Par contre, dès que je mets une valeur hors diagonale, je veux que ma matrice soit symétrique par rapport à la diagonale. Donc si je mets une valeur par exemple qui est 4 au-dessus de la diagonale, je veux que juste en dessous de la diagonale, il y ait aussi le même 4. Si je mets un 5 ici, je veux qu'il y ait forcément un 5 ici. Si je mets un 6 ici, je veux forcément qu'il y ait un 6 ici. Donc ce qu'on appelle une matrice symétrique déjà, S est symétrique, ça a plusieurs propriétés. Ça dit que déjà S est dans Mn de R. En fait, on va faire que des matrices symétriques, ça va forcément être des matrices carrées, pour qu'il y ait une symétrie justement par rapport à la diagonale. Et ensuite, la propriété, c'est que je veux que le coefficient aij, donc là par exemple, si je suis en A, enfin c'est la matrice S, mais son coefficient là, c'est le coefficient 1, 1, 3, je veux qu'il soit égal au coefficient A, troisième ligne, première colonne. Donc ça veut juste dire que quel que soit ij appartenant à 1n, à 1n au carré aij, je veux que ça fasse aij. Une autre définition que j'ai pas mis dans le poly, qui est pratique et que vous verrez l'année prochaine, mais on peut la donner tout de suite, c'est que du coup, puisque AJ est égal à IJ, si je regarde justement la première colonne de cette matrice, bah c'est exactement la même chose que la première ligne. Donc une autre définition d'une matrice symétrique, c'est une matrice qui vérifie transposée de A égale A. Elle est égale à sa transposée. Oui, Noah ? Ça sert à quoi ? C'est ça la question. L'année prochaine, pas cette année, on n'aura pas le temps de le faire. Mais moralement, par exemple, on a déjà vu que pour les puissances de matrice, un truc très puissant, c'est de faire une formule de P-1P. On la comprendra un tout petit peu plus tard dans l'année. Mais ça permet d'obtenir une matrice diagonale. Ça marche pas tout le temps. Des fois, on n'arrivera pas à obtenir une matrice diagonale. On arrivera toujours au minimum à avoir une matrice triangulaire supérieure, ce qui a quand même déjà beaucoup aidé dans les calculs. Il y a une propriété de cours, parce qu'en gros, les matrices symétriques sont liées à des produits scalaires et des choses comme ça. Toute matrice symétrique peut être rendue diagonale. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une propriété vraiment de maths. Toute matrice symétrique réelle, à coefficient réel, est ce qu'on appelle est diagonalisable. Donc, c'est des matrices très pratiques pour ça. Et elles correspondent à un certain type d'application. On verra ça aussi, vous le verrez l'année prochaine, qui ont de très très bonnes propriétés avec les produits scalaires justement. Il y a un autre type d'application, un autre type de matrices qui sont aussi importantes, c'est les matrices antisymétriques. Alors là, les matrices antisymétriques, on va plutôt les définir. Donc A est antisymétrique. Encore une fois, ça va être une matrice si 1 A est dans Mn de R. Et là, on va associer, bah, pour qu'elle soit l'inverse, entre guillemets, d'une matrice symétrique, ou l'opposé plutôt, on va forcer à ce que Aij, ça vaut moins Aj. Et ça, ça a déjà une grosse contrainte. Et on peut aussi retraduire de la même façon, il faut que transposer de A, là, dans ce cas-là, ça fasse moins A. C'est le même concept. Ça a juste une grosse contrainte sur la diagonale, cette propriété-là. Sur la diagonale, ça donne quelque chose de particulier, parce que ça me donne du AII qui doit être égal à moins AII. Donc ça donne, si je rééquilibre, 2 fois AII qui doit être égal à 0. Une matrice antisymétrique, tout le temps, quoi qu'il arrive, sa diagonale est forcément nulle.
n'y a pas le choix. Et maintenant, quel que soit le nombre que vous remplissez, imaginons que je mets un 4 ici, bah forcément en opposé sur la surdiagonale, ça doit devenir un moins 4. Si je mets un 5 ici, ici ça doit devenir un moins 5. Si je mets un 2 ici, ça doit devenir un moins 2. C'est juste ça. Donc c'est ça une matrice antisymétrique. Beaucoup, beaucoup moins utile que les matrices symétriques. Mais quitte à devoir définir l'un, on définit l'autre. Parce qu'en gros, c'est un autre truc qu'on verra plus tard dans l'année. Mais toute matrice peut se décomposer en une matrice antisymétrique plus une matrice symétrique. Et justement, comme j'ai dit que toute matrice symétrique pouvait être rendue diagonale par les calculs qu'on a déjà vus. Justement, c'est pour ça que ces matrices aussi sont beaucoup moins utiles. Vu que j'ai dit que ça ne marchait pas sur toutes les matrices, c'est que le problème vient de la partie antisymétrique d'une matrice à chaque fois. Bon, voilà pour les deux définitions qu'on n'avait pas vues et pour les deux propriétés qu'on n'avait pas eu le temps de donner. Je voulais aussi qu'on ait le temps de refaire un exercice parce qu'on n'a pas fait assez et je voulais qu'on ait eu le temps de refaire un autre exercice. Bon, c'est une variante de ce que je vous ai fait faire hier, ça a moins d'intérêt. Non, ça va être le premier, je pense. Hein. Ça va être le premier. Alors, on va faire le premier problème, au moins le début. On fera peut-être pas tout. Mais on va faire au moins le début du problème 1 du poly que je viens de vous donner. Alors, c'est juste pour refaire un exemple en vous montrant comment ce serait donné. Je vous l'ai dit en DS, pas en DM, mais en DS. Je vous remettrai la petite propriété, la définition des valeurs propres, vecteurs propres, etc. Mais en DM, je vous le mettrai pas, comme c'est le cas sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions de valeurs propres, de vecteurs propres, etc. Allons-y. Donc là, moralement, pour le début, on a juste besoin de la matrice J. On vous donne une matrice J qui est assez simple, qui est celle-ci. Et on vous demande de calculer j carré et de vérifier que j cube est égal à 2j. Je vous laisse faire, je triche. Le but c'est d'avancer plutôt sur les questions qu'on ne sait pas faire. Donc, oh, j'ai fait des magnifiques calculs. J'ai forcément j'ai trouvé que j cube est égal à 2j. Alors, en déduire les valeurs propres de la matrice J. Ça, je rappelle, la seule propriété qui va être utile pour nous pour le moment et qui couvre déjà une bonne partie de ce qu'on veut faire, c'est que les valeurs propres d'une matrice sont à trouver parmi les racines d'un polynôme annulateur. Donc, en gros, la première étape pour pouvoir déterminer les valeurs propres, c'est est-ce que vous pouvez me donner un polynôme annulateur de cette matrice ? Ethan ? Oui, on a. Alors on a. Donc on a. À cause de la ligne d'avant, on a J cube moins 2J qui vaut la matrice nulle de M3 de R. Donc ce qui est équivalent à dire que P de J est égal à 0. Donc on a bien un polynôme annulateur. Ah, je suis en bas de page. Pour P de X qui serait tout simplement X cube moins 2X. Donc on a bien un polynôme annulateur. Comme on a un polynôme annulateur, il faut en trouver les racines. Donc allons-y, trouvons les racines. C'est assez facile. P de x qui vaut x cube moins 2x
pouvez me trouver une racine évidente. J'ai pas entendu. Ou une factorisation de ce polynôme, hein, c'est juste c'est la même chose, hein, c'est évident. Il y a quelque chose à faire là. Ce polynôme, il se factorise par x. Hein. Donc ensuite, ça fait du x carré moins 2, et maintenant il faut trouver ce qui veut dire que ceci, pardon, ça fait du x. Et ça, c'est juste du calcul, ça fait du x moins racine de 2, x plus racine de 2. Je rappelle, entre parenthèses, que résoudre x carré moins 2 égale 0, c'est équivalent à x carré égale 2. À ce moment-là, vous passez à la racine, et c'est là où ça se joue. La racine d'un carré, ça fait la valeur absolue. Ce qui, j'ai oublié de passer à la racine de l'autre côté, excusez-moi. Et donc ça, ça vous donne bien x égale racine de 2 ou moins x égale racine de 2, pardon, racine de 2. Et ça donne les fameuses deux solutions qu'on a là-haut. Donc à savoir faire sans trop de difficultés. Ou au pire, vous repassez par delta, mais ça doit marcher et vous ne devez pas avoir d'erreur. Oui, Cassiopée ? Comment c'est qu'on a la valeur d'erreur ? Alors justement, on ne le sait pas. Alors, et même là, on ne le sait pas. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est juste que... Alors, pour information, mais ça vous ferez en cours l'année prochaine. Mais pour information, au pire, une matrice de taille 3-3, elle a 3 valeurs propres. Vu qu'en fait, vu que les valeurs propres, c'est ce qu'on va vouloir mettre sur la diagonale si on arrive à faire un changement où elle est diagonale. Donc au pire, il y a 3 valeurs propres pour une matrice 3-3, 4 pour une matrice 4-4, 5 pour une matrice 5-5. Mais par contre, il est tout à fait possible, si je prends, et c'est pour ça que je ne voulais pas le faire, parce que ça fait des trucs un peu particuliers. Moralement, si vous regardez l'énoncé du problème 6, très vite, l'énoncé du problème 6, on vous donne une matrice A. Je vous assure que son polynôme annulateur, enfin la première question, si vous regardez la question, c'est calculer A carré moins 4A. Je vous assure que A carré moins 4A, ça fait 4 fois l'identité. Alors j'ai pas fait, pardon, ça fait moins 4 fois l'identité pour que quand je le passe de l'autre côté, ça aille mieux. Pourquoi je le sais que ça va faire moins 4 fois l'identité? Parce que la question de A, c'est en déduire la seule valeur propre de A. C'est-à-dire que ce polynôme annulateur, je veux qu'il ait une seule racine. Et en plus, si je regarde un peu plus loin dans les calculs, je vois que plus loin, on me pose une certaine matrice P. Et on va me faire du A est égal tout en bas à du P-1TP. Et j'ai la matrice T qui est donnée là-haut. Et la matrice T, il n'y a que des 2 sur la diagonale. Donc je sais instantanément que la seule valeur propre qu'il voulait me faire trouver avant, c'était 2. Donc parfois il n'y en a qu'une de valeur propre. Donc là par exemple, on a un polynôme annulateur qui a 3 racines. Ça veut juste dire qu'au maximum, il y a 3 valeurs propres. Mais on ne sait pas si justement il y en a 0, 1, 2 ou 3. Donc ça implique que les valeurs propres sont dans l'ensemble. Racine de 2 et moins racine de 2. On ne sait pas si tous les éléments de ces racines sont des valeurs propres. Donc je repars sur mon problème. Alors là, la question de B est facile, pardon. C'est vérifier, c'est en déduire les valeurs propres possibles. Donc, il ne demande pas exactement quelles sont toutes les valeurs propres exactement, il demande les valeurs propres possibles. Bon, bah, clairement, ça, ce sont 3 valeurs propres possibles de cette matrice. Alors, la question C, au lieu de faire les noyaux, je vais quand même en refaire un juste pour vous montrer comment, vous rappeler comment ça marche. J'en ferai peut-être un après, ça dépend, il y a d'autres matrices derrière, on verra. On vous dit vérifier que les colonnes de la matrice P qu'on vous a donné sont des vecteurs propres de la matrice J. Comment on fait pour vérifier que les vecteurs colonnes de la matrice P sont des vecteurs propres de J? Ethan? Et
Alors du coup, je vais quand même faire un noyau, mais c'est pas la méthode du tout la plus rapide. Mais ce que proposait toi, Ethan, est tout à fait correct. Et si vous n'aviez pas d'indication et si la question était posée différemment, déterminer exactement les valeurs propres, exactement, et pas juste les possibles, il n'y aurait pas le choix. Il faudrait faire la méthode d'Ethan. Donc ce qu'on peut faire, je vais mettre ça ici. Donc c'est ce que tu proposes, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, on va faire juste le quart de J. Quart de J, donc c'est l'ensemble des vecteurs X dans M312R, tels que Jx est égal à 0. Donc on va regarder ce que ça fait. Jx est égal à 0, ça fait du 0, 1, 0, 1, 0, blabla. XYZ est égal à 0, 0, 0. Ça va être un système qui va être très rapide à résoudre. Ça fait Y égale 0, X plus Z est égal à 0, et Y est égal à 0. Je fais un pivot en Y, ça va me faire disparaître la troisième ligne, et je fais directement, je vous l'explique aussi, un pivot en X. Donc clairement, j'ai deux pivots, et après, il me reste que deux équations qui me donnent Y égale 0 et X égale moins Z. Et là, c'est ce que je vous ai fait refaire hier, mais qu'il faut absolument savoir faire. Donc, X, Y, Z est dans le noyau de J, si et seulement si. Ce qu'on vient de trouver, c'est que X, Y, Z, qu'est-ce qu'on a appris? Bah, X vaut moins Z, Y vaut 0, et Z, on n'a rien appris dessus, donc il vaut Z. Donc ça, ça vaut Z fois moins 1, 0, 1. Et donc ça, ça implique que quart de J, c'est vect de moins 1, 0, 1. Donc s'il n'y avait eu aucune indication, c'est la meilleure méthode. Et regardons, ô magie, la deuxième colonne de P, comme l'a dit Ethan, hein, c'est comme ça qu'on peut vérifier aussi, la deuxième colonne de P dans votre sujet, bah, c'est la colonne moins 1, 0, 1. Donc ça montre instantanément que moins 1, 0, 1, vecteur propre de J. Ok. Il y a plus rapide. Maintenant, ça, c'est la meilleure méthode et vous me faites ça sur les trois noyaux et c'est la méthode générale, en fait. C'est ce qu'on vous fera faire à vous le plus... trois quarts du temps. Quand il y a plusieurs matrices impliquées, quand on veut que vous avanciez vite dans un sujet, parce que peut-être qu'on ne veut pas que ce soit le gros exo qui vous prenne trop de temps, vous imaginez, faire trois noyaux, ça prend quand même un petit peu de temps. Là, il vous indique, vérifiez que les colonnes de la matrice P sont des vecteurs propres. Et là, je reviens, je peux la remettre au tableau s'il le faut, mais sur la définition de vecteur propre, on a un vecteur propre si cette définition-là est vérifiée. Je suis où? Je dois aller plus bas. J'ai pas besoin de plus que ces deux lignes-là. On appelle valeur propre de A un réel lambda pour lequel il existe un vecteur X non nul vérifiant AX égale lambda X. Et dans ce cas-là, je n'ai pas mis la fin, mais on dit que X est un vecteur propre. Donc comment on peut vérifier que la première colonne de P, par exemple, est un vecteur propre? Bon, on fait juste le calcul de J. Et on va faire J fois la première colonne de P. Alors la première colonne de P, c'est 1 moins racine de 2, 1. Si je fais ça, ça va me faire quoi comme calcul? Bah, ça va clairement me faire moins racine de 2. Ça va me faire du 2 et ça va me faire du moins racine de 2. Alors comment je vérifie que ça c'est un vecteur propre? Il faut que je l'écrive comme le vecteur d'entrée qui était là, multiplié par une constante. Clairement, pour retomber sur ce vecteur-là, si je veux écrire que ça, c'est égal à 1 moins racine de 2, 1, quelle est la constante que je dois mettre en facteur? C'est évident que c'est moins racine de 2, et ça marche bien d'ailleurs, parce que si vous mettez moins racine de 2, moins racine de 2 fois moins racine de 2 au milieu, ça va bien faire 2. Donc en fait, ça fait bien moins racine de 2 fois ça. Et donc ça implique instantanément que 1 moins racine de 2 et 1 est vecteur propre pour la valeur propre moins racine de 2.
On fait la même chose pour le dernier. Hein. Zoom, nouvelle page, je remonte. Pour le dernier, je fais la même chose. Ça me fait du 0,1010101010 que je vais multiplier par la dernière colonne de P qui vaut 1 racine de 2, 1. Et ça, bah, ça me fait du racine de 2, du 2, du racine de 2. Et ça, ça fait bien racine de 2 fois 1 racine de 2, 1. Donc 1 racine de 2, 1 et vecteur propre. Allez, j'utilise une abréviation que vous abuserez plus tard. Un vecteur propre, on écrit VP avec une flèche au-dessus pour abréger. Et une valeur propre, bah, on écrit VP sans flèche au-dessus. Pour la valeur propre, racine de 2. Oui. Là, on a multiplié par la première et la dernière colonne de P, c'est ça? Oui. Il y a trois colonnes. Pourquoi j'ai pas fait celle du milieu? Parce que celle du milieu, je l'ai fait par la méthode d'Ethan. En faisant le noyau de J, on a vu ça. Mais qu'est-ce que ça implique? Puisque là, en gros, je rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire le calcul. On peut l'admettre si vous voulez gagner du temps dans les DS et c'est surtout très long et très compliqué. Mais je vous assure maintenant que si vous savez ça, si vous savez que P, donc sa première colonne, c'est un vecteur propre associé. Donc on a dit que la première colonne, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre moins racine de 2. Si on sait que P, sa deuxième colonne, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Et on sait que sa troisième colonne, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre racine de 2. C'est comme ça que j'ai rempli ma matrice P. Alors, il faudrait justifier que P est inversible, et ça va peut-être être le but de la question d'après. Mais moralement, moi je suis déjà au courant que si je calcule D qui vaut P moins 1 AP, il faut justifier que P est inversible, ça on ne l'a pas prouvé du tout. Mais si je calcule P moins 1 AP, comment va s'écrire la matrice diagonale? C'est évident. Vu qu'en première colonne, j'ai mis un vecteur propre associé à moins racine de 2, la première colonne, ça va être moins racine de 2, puisque la deuxième c'était associée à 0, je mets 0, et la troisième je mets racine de 2. C'est juste que, imaginons que vos calculs matriciels se passent mal, ou que vous n'avez pas le temps de les faire, et que la matrice D n'est pas donnée dans un sujet, vous êtes complètement bloqué pour la suite des calculs si vous ne l'avez pas. Donc vous pouvez clairement dire que vous savez, via comment vous avez rempli la matrice, on sait que vous n'aurez pas tous les points pour le calcul de la matrice diagonale. Mais au moins, ça vous permet de faire toutes les questions d'après. C'est juste pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous donne cette théorie. Parce que sinon, en DS, c'est très facile hein, en première année. Ah, bah, vous avez faux calcul de P-1. Si vous avez faux calcul de P-1, vous avez faux calcul de P-1 AP. Vous n'avez pas la matrice D. Fin de l'exo. Au revoir. Non, mais vraiment, enfin, y a pas, j'ai pas le choix. Donc c'est pour ça que c'est vous donner juste ces trois définitions, espace propre, vecteur propre, valeur propre, et cette petite propriété de comment les trouver par les racines, ça aide vraiment à comprendre un peu pourquoi on vous fait mener ces calculs. Moi, mon seul boulot normalement, c'est de vous montrer qu'on sait faire les calculs, mais pourquoi on les fait comme ça et comment ils se mènent, ça vient de cette théorie que vous ferez en détail l'année prochaine. Alors quelle est la question d'après du sujet? Justement, on pose D1, là il vous donne D1, la matrice, qui est écrit comme ça. Ouais, j'ai pas enlevé la question J diagonalisable, c'est pas une question pour vous. La dernière partie de la question où c'est marqué J diagonalisable dans la question D là, ça aurait été pour nous montrer que D ça fait P-1JP. Hein. C'est ce que j'aurais fait là. J'ai marqué P-1AP, mais ça aurait été plutôt P-1JP. Mais justement, imaginons que vous avez votre matrice P. Vous savez qu'elle est inversible. Imaginons que vous m'avez juste fait le rang. Tiens, là, je vais faire le rang de la matrice P. Rang de P, c'est le rang de 1 moins racine de 2, 1, moins 1, 0, 1, 1 racine de 2, 1. Donc, c'est le rang de cette matrice-là. Je vais faire mes pivots. Le pivot le plus simple pour moi, c'est celui-là en premier.
Donc je vais mettre ça en 1, 1, 1 au-dessus. En dessous, je vais mettre un racine de 2, 0, racine de 2. Et si je fais mon pivot là-dessus, ça va me faire du 2, 2. Donc j'avais fait ce pivot là-haut. Je peux plus reprendre la même ligne. Bon, bah par exemple, je vais prendre ça comme pivot. Change de ligne, change de colonne. Ça me fait un. Si je fais un pivot là-dessus, en dessous, ça va clairement m'apporter du 0, vu que c'est le but. Au-dessus, ça va m'apporter du 0. J'avais mon 1 ici et mes 0. Ça change pas. C'est les autres que je dois faire les calculs. En gros, pour faire le rang ici, je mets quand même les opérations. Je ne l'ai pas fait. Mais ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait L1 recevait L3. J'avais inversé L1 et L3. Et L3, j'avais fait L1 plus L3. Et ici, ce que je vais faire comme calcul, bah, c'est que L1, ça va recevoir L1 moins 1 sur racine de 2 L2. Comme ça, ça fait apparaître des 1. Et ça va me faire du coup du 1, 2. Et L3, je lui fais L3 moins racine de 2 L2. Ça me fait bien du 2 qui me fait du 0. Et si je fais moins racine de 2, ça va me faire du 4. Maintenant, je vais pas m'embêter. J'ai déjà pris 3 colonnes différentes. J'ai pu prendre des pivots sur 3 colonnes différentes et 3 lignes différentes. Je peux faire le pivot, hein, mais je m'en fiche. Le rang de cette matrice, c'est clairement 3. Donc instantanément que j'ai un rang 3. Si ça vous va pas cette façon que j'ai fait de faire, si vous faites marcher par marche d'escalier, maintenant inversons les colonnes de cette matrice. Le rang de cette matrice, je peux mettre cette colonne là en premier, celle-ci en deuxième et celle-ci en troisième. Et là vous devez bien voir que cette matrice elle est bien échelonnée. Et vous voyez aussi que son rang ça fait 3 si vous voulez marcher en tant qu'échelon. Enfin, si vous voulez faire des matrices échelonnées, il n'y a pas le choix. Le pivot, enfin, il faut mettre le pivot que vous avez pris sur la ligne du haut en haut à gauche, etc. Donc le rang de cette matrice, c'est 3. Donc ça implique que P est inversible. Imaginons que la question, c'est maintenant montrer que P-1 AP, ça fait la fameuse matrice D qui vaut moins racine de 2, 0 racine de 2. Alors ça peut se faire de deux façons. Soit vous admettez, parce que vous le savez, que la matrice D va s'écrire comme ça. Ou alors, le sujet vous le dit parce qu'il ne veut pas vous perdre, et il veut que vous puissiez continuer les calculs en intermédiaire sans que vous soyez largué. C'est typiquement le cas de ce sujet. Mais je rappelle que c'est un sujet de CT. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cas qui va vous arriver à vous. On vous a donné la matrice D1. Ce qu'ils font par contre dans le sujet, et c'est de là que je vais en venir, c'est super intelligent. Plutôt que de vérifier, donc pour prouver une telle relation, qu'est-ce que vous feriez ici? Vous calculeriez la matrice P-1. Calcul long qui amène à des erreurs. Je l'ai vu hier en TD. Puis vous calculerez le produit P-1 AP. C'est long. Cette méthode où il faut calculer la matrice inverse et faire P-1 AP, c'est nécessaire que si vous ne connaissez pas du tout la matrice D, si vous n'avez pas d'informations dessus. Si vous la connaissez, on peut détourner le calcul. Parce que si on doit montrer que P-1 AP, ça fait D, en multipliant par P à gauche, ça revient à montrer que AP, ouais, à gauche, ça va me faire apparaître l'identité, donc ça me revient à montrer qu'il faut montrer que le produit AP, ça fasse le produit P fois D. Et ça, c'est vachement plus facile à faire, parce que du coup, j'ai pas de calcul d'inverse. Parce que par exemple, pour vérifier ça, je vais faire la matrice A. Encore une fois, ici, ma matrice A, c'est plutôt ma matrice J. Donc, je dois faire le produit de J, qui fait ça, multiplié par la matrice P, qui fait ceci. Alors, ça fait un calcul qui est comme ça. Si je fais, donc là je suis en train de calculer ici JP. Bah ça me fait, si je fais tous mes calculs, ça me fait moins racine de 2, moins racine de 2, 2. Ici au milieu, ça va me faire du 0, du 0 et du 0. Et ici, ça va me faire racine de 2, 2 racine de 2.
C'est normal, c'est les calculs que j'avais fait tout à l'heure déjà pour les vecteurs propres. Je fais ça d'un côté. Et de l'autre, je vais faire le calcul de la matrice. Non, faut pas que je les pose comme ça, sinon je vais pas réussir à faire mon produit matriciel un peu plus bas. 1 moins racine de 2 fois la matrice D. Donc c'était moins racine de 2, 0, racine de 2 et des 0 partout ailleurs. Et là maintenant je dois faire le produit de ces deux matrices là. Bah si je le fais, je vous assure que ça fait moins racine de 2, 2, moins racine de 2. J'ai une colonne de 0, donc ça va clairement faire 0. Et ça, ça va me faire racine de 2, 2 racine de 2. Et j'ai bien prouvé instantanément que P fois D, ça fait bien JP. Et donc c'est équivalent, si je multiplie maintenant par P moins 1 à gauche, à ce que P moins 1 JP égale D. Donc cette méthode, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, pour cette question-là. Cette méthode de, pour déterminer la matrice qui vérifie P moins 1 JP égale D, là, le fait de vérifier JP égale P fois D, c'est une astuce, mais qui marche très très bien, qui est fait dans, par, enfin, dans beaucoup de corrigés, vous verrez ça. Dans certains sujets, ils vous donnent l'astuce pour vous faire gagner du temps. Dans d'autres, prenez-la l'astuce. C'est pas du tout à apprendre. Parfois, il vous sera demandé de calculer l'inverse explicitement. De toute façon, ce sera une autre question du sujet pour vérifier si vous savez calculer l'inverse. Donc, si y a cette question-là, vous ne gagnerez pas tant que ça de temps. Mais au cas où, si vous avez des places mémoire pour cette petite astuce, ça fait quand même gagner pas mal de temps en calcul, ce petit truc, quand vous avez une relation P-1 à P égale D. Oui. Là, on est obligé du coup d'avoir la matrice D. Si on l'a pas... Oui, si tu l'as pas, tu peux pas faire tes deux produits. C'est ça le défaut. Et donc c'est pour ça aussi que je parle de défaut, mais que si tu as trouvé les valeurs propres, si tu as mis tes vecteurs propres dans un certain ordre, tu sais comment va s'écrire ta matrice D. Okay. Et donc pour vérifier que ça marche, pour faire la preuve que ça marche, il n'y a plus qu'à faire ce petit produit matriciel. Ok. Ensuite, on continue quand même l'exercice. Oui. Alors, le... Hein ? Bah oui, c'est là. Ok. Ce principe d'escalier, il dépend du nombre de zéros que tu as réussi à mettre en dessous de ta matrice. Donc le principe d'escalier, c'est juste tu dois longer les zéros qui forment... Si tu triangularises ton système, tu as forcément un bloc de zéros. Imaginons que je te donne cette matrice-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Et après, même, je peux mettre plein de zéros. Je m'en fiche. Ceci est une matrice que j'aurais échelonnée. Quand tu échelonnes une matrice, tu peux longer le bloc de zéro. Est-ce que tu es d'accord que... Enfin, à la limite, je le fais dans l'autre sens, mais je vais le faire dans ce sens-là. Est-ce que tu es d'accord que le bloc de zéro... c'est pas très très propre. Il manque un zéro, en fait. Il y a un zéro ici aussi. Est-ce que tu es d'accord que le bloc de 0, il est comme ça? Là, je détourne le bloc de 0. Et donc, ce qui permet de calculer le rang, c'est le nombre de marches qui est ici. Jusqu'à la fin. Non, mais j'ai compris, mais pour celle-ci, du coup, parce que ça, c'est le rang de P, tout à fait. Oui. Et P, du coup, c'est quoi, en fait Mais P, c'est la matrice de l'énoncé, tu sais, il y a l'énoncé. Il ouais, y a P sais, dedans. Alors, de là à là, tu veux dire? J'ai juste remplacé la colonne 1. Je l'ai inversée avec la colonne... non, pas la colonne 1. La colonne 1, elle a été inversée avec la colonne... Alors, la colonne... 1, ouais. Elle a reçu la colonne 2. La colonne 2, elle a reçu la colonne 3. Et la colonne 3, elle a reçu la colonne 1. J'ai inversé mes colonnes. Juste pour arriver à le rendre triangulaire.
C'est juste que si tu veux là, si tu veux pas inverser tes colonnes, tu peux pas prendre un pivot ici au milieu. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. Si tu veux la triangulariser sans inverser jamais de colonne, le seul pivot que tu as le droit de prendre, c'est celui qui est là ou en début de pivot. Je savais pas qu'on pouvait c'est... les colonnes et pas les... Enfin, d'habitude, on fait avec les lignes. Ah, je dois pouvoir le faire en ligne aussi, j'ai pas vu, mais je dois pouvoir l'expliquer en ligne. Il faudrait que je fasse... Si je veux le faire en ligne, je suis obligé de faire mon troisième pivot. C'est-à-dire que je suis obligé de faire disparaître le 2 qui est là. Si je fais mon troisième pivot... Alors je peux écrire ça aussi comme ça, je vais l'écrire là. Le rang, c'est aussi le rang de 0, 1, 0, 0, 0 racine de 2 et 4, 0, 0. Si je fais mon dernier pivot, hein, je ne l'avais pas fait, mais si je fais mon pivot. Et maintenant, si j'inverse les lignes, ça fait 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 racine de 2. Et je me retrouve exactement avec le les trois marches qui arrivent ici. Oui, Simon. Ah, c'est juste parce que dans mon exo, c'est juste que la souvent ça s'appellera A, mais là pour le moment, la matrice avec laquelle on fait ça, c'est la matrice J. C'est flex, je parle de la formule P-1AP égale D parce que c'est celle-là que vous allez voir écrit 90% du temps. Bon, là il se trouve que A elle s'appelle J, mais si je descends un peu plus bas. Regardez un tout petit peu plus bas. Question 2C, il y a du AP égale P fois D2. Ça revient à écrire du P-1AP égale D2. Donc on arrive vraiment sur la matrice A qu'on cherche à étudier dans ce problème. Alors allons-y. 2A, encore une fois, je vais la passer, c'est une question, mais vous en aurez comme ça, mais c'est une question de calcul matriciel. On vous demande de montrer que K, ça fait J carré moins I. Je vous le dis, c'est du calcul matriciel à faire. Ça, vous faites juste les calculs matriciels, ça marche, les deux matrices sont égales. Montrer qu'il existe des réels ABC tels que A, ça s'écrit A fois I, plus B fois J. Plus C fois K. Alors, j'en ai pas trop fait. Vous en avez fait en... Ah, t'étais à l'infirmerie au final. Ah, t'as été... C'est bon. Ah oui, donc il est fait, quoi. Ok. Donc là, ça, c'est typiquement la méthode d'analyse synthèse qu'on connaît pour les polynômes qu'il faut appliquer aux matrices. On va écrire ce que ça veut dire. C'est quoi la matrice A fois I? Bah, c'est la matrice A avec des 0 partout ailleurs. Attention, c'est des A sur la diagonale, c'est des 0 ailleurs. Je sais que j'écris mal. La matrice BJ, ça ferait ceci. Et la matrice CK, ça ferait la matrice CCC 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ce qui veut dire que ça, c'est équivalent à la matrice A, il nous la donne dans le sujet, c'est 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Et on voudrait que ça fasse la matrice A, B, C. 0, A plus C. Non, pas 0, c'est un B ici, excusez-moi. B, B, C, A. Et donc exactement comme une analyse synthèse de polynômes, mais ça il faut l'apprendre et c'est la première fois qu'on l'écrit officiellement en cours. Deux matrices sont égales, mais c'est à peu près évident. À quelles conditions deux matrices sont égales? Si tous leurs coefficients sont égaux. Donc deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients... Ce qui veut dire qu'en fait, une égalité matricielle, ça vous donne 9 équations. Si je regarde le premier coefficient, ça fait A égale 1 si je regarde le coefficient A, 1. Ensuite, ça fait B égale 2 si je regarde le coefficient 1, 2. Ensuite, ça fait C égale 1 si je regarde le coefficient 1, 3. Et je dois écrire mes 9 équations. Donc ensuite, j'ai B égale 2 si je regarde 2, 1. Ensuite, j'ai A plus C qui vaut 2 si je regarde 2, 2. Ensuite, j'ai B égale 2 si je regarde 2, 3.
j'ai C qui vaut 1, B qui vaut 2 et A qui vaut 1. On est d'accord, j'ai écrit les 9 équations. C'est vrai, mais c'est lourd. Oui, Samy ? Je suis pas du tout d'accord. Et ça marchera pas. Je suis d'accord que c'est montrer qu'il existe des réels ABC. Mais même trouver ABC, je suis pas d'accord que si tu te limites à 3 équations, c'est vrai. Je vais l'expliquer. Mais il y a une subtilité. Je suis d'accord que cette équivalence-là, elle est super lourde. Et que vous n'êtes pas obligé de regarder 9 équations. Mais la rédaction, si vous ne faites pas ça, elle doit être ultra précise. Parce que justement, il y a un problème. Imaginons, et c'est le problème encore une fois des fameuses équations de compatibilité ou de systèmes qui n'ont pas de solution. Trichons 10 secondes. Imaginons que la matrice A, elle n'est pas un 2 ici, mais elle est un 3. Dans ce cas-là, l'équation qui est là en bas, imaginons que tu as regardé les trois premières. Tu m'as trouvé A égale 1, B égale 2, C égale 1. Sauf qu'à la dernière condition, il y a B égale 3. C'est possible, on peut trouver ABC pour que ça marche? Ben non, B il peut pas avoir de solution, il n'y a pas de solution à un système. A et B et C n'existent pas. Donc tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se limiter à 3 équations pour ces 9. Parce que ce genre de situation pourrait se produire. Alors ce que tu as le droit de faire, c'est deux choses. Enfin, il y a trois façons d'aborder les choses, mais il faut être clair et précis. T'as pas le droit de dire je prends 3 équations, j'ai prouvé que ABC valent ça. Tu as le droit de faire deux choses. Tu prends 3 équations. Donc par exemple, c'est. Donc on refait la preuve à 0. Et on dit. La première ligne, par exemple, la première ligne de l'égalité A égale AI plus BJ plus CK, c'est ce que tu as regardé le premier 1, donne A égale 1, B égale 2, C égale 1. Or, et maintenant, tu fais, en gros, ce que tu as fait, c'est que tu fais une implication. Si j'ai l'égalité, alors j'ai ces trois équations. Mais si on travaille par implication, on n'a pas équivalence. Donc, on ne sait pas si ces solutions marchent. Donc, pour revenir en arrière, c'est ce qu'on a déjà vu quand on travaille par implication dans des équations. Il faut vérifier que les solutions marchent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Or, si maintenant, je calcule 1 fois i plus 2 fois j plus 1 fois k, je fais ma vérification de mes solutions. Ça, je montre que ça fait... 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, c'est bien égal à A. Donc ABC égale A de 1 convient. Mais la deuxième partie de vérification, elle est importante. Tu la fais pas, 0. Il y a une erreur de logique mathématique. Ça va sur la subtilité de ce truc-là de puisqu'on ne fait que quelques équations, on travaille par implication. Si on travaille par implication, il faut revenir en arrière, il faut faire la réciproque pour travailler par équivalence. Donc il faut vérifier les solutions. Oui, Hugo. Dans le cas où là, par exemple, B est égal à 3, du coup, il n'y a pas de solution. Ah non, il n'y aurait pas eu de solution, on ne peut pas trouver ABC. Donc c'est pour ça. Bon, là, le sujet vous dit trouver ABC. Mais n'allez pas croire que ça marche tout le temps, quoi. C'est-à-dire que... Lister toutes les équations par rapport au système. Voilà, si vous faites travailler par équivalence, faut aucun moment, vous avez le droit de partir des 9 équations et après de dire ce système est lui-même maintenant équivalent à A égale 1, B égale 2 et C égale 1. Et fin des calculs, il n'y a rien à justifier là. Mais au moins, on sait que vous savez ce que ça veut dire que l'égalité de deux matrices. Ok, donc cette matrice-là, on l'a là. On continue, parce qu'il y a encore des calculs simples. De C, en déduire que A vaut J carré plus 2J. Bah, ce que je viens d'apprendre, c'est que A, elle vaut, pardon, oula. A, elle vaut I plus 2J plus K. Ça, c'est ce que je viens d'apprendre de 2B. Voilà ce que j'appelle typiquement une question de liaison du sujet. Comment je vais exprimer ça en fonction de J carré et J seulement? D'après vous, lisez le sujet. Qu'est-ce que vous utilisez une fois que vous avez écrit A égale I plus 2J plus K? Théo?
Voilà, on utilise 2A. Ça fait que I plus 2J plus J carré moins I. Et donc A instantanément fait du J carré plus 2J. Établir l'existence d'une matrice diagonale D2 telle que AP est égale à PD2. Bon, bah ça va aller aussi assez vite. En gros, on veut trouver D2. Ce qu'on veut, on est bien d'accord maintenant, c'est on veut D2 qui vaut P-1 AP. Sauf que P-1 AP, maintenant, ça devient... Pardon, j'ai réécrit la même chose. D'après ce qu'on vient d'écrire à la question d'avant, enfin, ou à cette question-ci, ça fait P-1 J carré P. Alors attention à ces développements matriciels, faut savoir les faire, c'est pas trop dur, mais faut pas se tromper. Ça, c'est la même chose que faire P-1 J carré P. Et c'est la même chose que faire... Le 2, c'est une constante, je peux le faire commuter avec le produit matriciel. P-1 J P. 2 fois P-1 J P, c'est évident. C'est la matrice D1 de tout à l'heure. Et là, maintenant, P-1 J carré P, c'est un peu le même principe que ce qu'on a expliqué vendredi. En fait, ça, c'est du P-1 J... P, P-1, JP, si je veux appeler, c'est-à-dire que je force P, P-1 à apparaître au milieu. Et ça, ça devient d'un seul coup du D1 fois D1. Donc ça, c'est du classique qu'il faut savoir faire. C'est-à-dire qu'en fait, la matrice D2, c'est la matrice D1 au carré plus 2 fois D1. En fait, vous êtes d'accord? Si A, ça valait J carré plus 2J, la matrice diagonale associée à A, ça vaut, la matrice diagonale de J au carré plus 2 fois la matrice diagonale de J, en fait. Tout calcul, en gros, ce qu'on dira plus tard, tout calcul fait dans une base se produit exactement de la même façon dans l'autre base. Donc si j'utilise tout à l'heure la matrice diagonale qu'on avait, ça fait une matrice qui vaut moins 2, 0, 2. Et celle-là, elle vaut 2, moins 2 racine de 2, 0, 2 racine de 2. Oui. Le P-1JP, P-1JP qui se transforme en D1, D1, c'est par rapport à une question d'avant. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'était D1 avait été défini comme étant P-1JP. Bon, voilà. Voilà le genre de calcul, voilà le genre d'exo que vous allez avoir sur les matrices au prochain DS. Il y aura un exo de matrice et il y aura clairement un polynôme annulateur, je peux vous le garantir. Trouver les racines du polynôme annulateur, trouver les noyaux pour avoir les vecteurs propres. Créer une matrice P en colonne. Deux situations. Soit la situation qui est celle-ci où la matrice au final finit et est diagonale. Ça, c'est si l'exo est court et que je veux pas qu'on passe beaucoup de temps dessus. Si je veux que l'exo soit long, on va plutôt tomber des trucs comme le problème 6. Le problème 6, en gros, moralement, ça peut se lire à partir de la question 3, en gros. Si je vous avais fait déterminer, bah on peut le faire. C'est un calcul qui n'est pas inutile juste pour vous faire comprendre quelque chose. Donc je fais juste un seul calcul du problème 6, qui n'est même pas demandé dans le problème 6. Je prends la matrice A qui est celle-ci, et ça va permettre qu'on en ait fait un en classe un peu meilleur que ceux qu'on a fait jusque-là. Et je vais déterminer qu'R de A moins deux fois l'identité. Donc entre guillemets, je vais déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, pour vous montrer ce qui se passe. Et ce que serait un exercice le plus compliqué possible. Donc si je veux faire qu'R de A moins 2 fois l'identité, il faut déjà que je calcule A moins 2 fois l'identité. A moins 2 fois l'identité, ça me fait du 1, 2, 1. Du moins 1, moins 2, moins 1. Et du 1, 2, 1. Ok. Donc A moins 2 fois l'identité fois x, y, z est égal à 0, 0, 0. C'est équivalent à ce que x moins y plus z est égal à 0. 2x moins 2y plus 2z est égal à 0.
et x moins y plus z est égal à 0. Je vais faire vachement de pivot. Je fais un pivot en x au début. Qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est toutes les lignes sont proportionnelles. La deuxième ligne, c'est deux fois la première, et la troisième ligne, c'est exactement la première. Donc si je fais un pivot sur cette ligne-là, j'obtiens clairement des zéros derrière. Donc j'ai un système de rang 1. J'avais trois variables, donc je peux donc exprimer une variable en fonction des deux autres. Il va y avoir deux vecteurs dans mon noyau. Donc de ça, je peux en déduire x est égal à y moins z. Attention, c'est ça pour ceux qui avaient été jusque-là dans le TD d'hier, sinon je vous conseille de le reprendre, vous aviez du mal. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la méthode. Un vecteur est donc dans le noyau. C'est équivalent à dire quoi? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que le premier vecteur s'écrit moins z, le reste, ça reste du yz. Et donc ça, maintenant, je peux l'écrire y fois ce vecteur-là, plus z fois ce vecteur. Et donc de ça, on en déduit donc qu'R de A moins 2 fois l'identité, c'est égal à vect de 1, 1, 0, virgule, moins 1, 0, 1. Vect voulant justement dire toutes les combinaisons linéaires avec x et y quelconque de ces deux vecteurs. Oui. J'ai un peu de mal encore sur exprimer, enfin, dans quel cas exprimer quoi. En fait, quand il y a x, y et z qui sont égales à 0 et qu'il n'y a pas ligne derrière, on va exprimer deux vecteurs et du coup ça va être une virgule, c'est ça. Et par exemple, dans un autre cas, on exprimait 2 en fonction du troisième. Oui, mais on peut en faire un autre de noyau tordu pour. Allez, on va faire vraiment l'horreur. Faisons le noyau suivant. Alors juste, non, avant de faire le noyau suivant, conclusion à pourquoi je vous ai fait faire ce calcul dans cet exo-là. Oh là là! Je me demande bien ce que sont les deux premières colonnes de la matrice P dans le problème 6. Non mais, les deux premières colonnes de la matrice P dans le problème 6, ce sont les deux vecteurs propres qu'on vient de trouver, vous êtes d'accord? Quel est le problème? Si j'avais fait tout le sujet, 2 est la seule valeur propre. Vous faites l'espace propre, il n'y a que deux vecteurs dedans. Est-ce que vous pouvez me remplir une matrice inversible avec deux vecteurs, colonne 3, 3? Non, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que la troisième colonne de P, elle est juste créée pour créer une matrice inversible. Mais la troisième colonne de P dans l'exercice du problème 6 n'est pas un vecteur propre. Ce qui fait que quand on va faire la fameuse formule P-1 AP qui est demandée, ou P-1 TP, enfin qui est demandée tout en bas du sujet là, quand on va faire cette formule là, ça va pas donner une matrice diagonale. Ça va donner une matrice diagonale qui est la matrice T qui est là sur les deux premières colonnes. Mais la troisième colonne, elle a strictement aucune raison d'être diagonale. Donc d'ailleurs, vous voyez que la troisième colonne, ça fait du 2, 1, 2. Donc ceci n'est pas une matrice diagonale, c'est une matrice triangulaire. C'est le pire cas qui peut vous arriver. Mais est-ce qu'on est bloqué pour calculer par exemple les puissances dans ce cas là? Pas du tout. Parce que maintenant, si vous lisez la question 3B, en écrivant T qui vaut 2i plus n, déterminez pour tout entier naturel n la matrice T puissance n comme combinaison linéaire de i et de n, puis de i et de t. En gros, moralement, on veut vous faire appliquer la formule du binôme de Newton. Donc dès que vous aurez une matrice triangulaire, en plus de la partie puissance, il y aura un binôme de Newton en plus. Donc soyons clairs, je vais vous donner un exolon. Il y aura du binôme en plus. Je vais vous donner un exo court, les noyaux marcheront, vous aurez une matrice diagonale, et après les calculs iront très très vite. Donc ça dépend juste de la longueur qu'on veut mettre dans un exo de ce type-là, si on veut en incorporer un. Mais par contre, je vous en ai mis quelques-uns, mais je peux vous assurer que j'en ai des centaines de milliers, c'est juste que j'ai pas le temps de les rentrer dans la base de données, vu que j'ai du boulot. Mais vraiment, chaque année, il y a deux exos comme ça qui tombent sur l'ensemble de tous les concours. Donc, avec plein de variantes différentes, les matrices ne seront jamais les mêmes, les calculs, il faut savoir les mener, mais c'est toujours les mêmes méthodes. Oui. Pour le binôme de Newton, c'est toujours quand c'est des matrices où quand on multiplie par elle-même, et ben, il y a une ligne de 0 qui se rajoute, c'est ça?
Quasiment. 99% du temps. Hier en TD, il y avait une autre matrice. C'est juste que là, la matrice, on savait calculer sa puissance n de façon simple. Mais elle se supprimait pas, la matrice. Le corrigé du TD est en ligne, d'hier, si vous en avez besoin. Mais bon, comme vous avez eu votre DS de maths, vous n'avez pas le regardé avant un bon moment, ce que je vous déconseille. Mais c'est juste que plus vous digérez vite des notions, ça vous évitera au prochain DS, qui sera le concours blanc du mois de mars. Oui, vous n'en avez pas dans la période février, il n'y a que 5 semaines. Donc, on aura les probas en plus, on aura les espaces vectoriels en plus. Et le programme, il n'y aura pas de « Ah, réviser telle question de cours, c'est un concours blanc ». Le programme, c'est tout depuis le début de l'année. Donc, apprenez à digérer votre cours. Ça demandera du temps. Ça ne sera pas en 2 semaines, je vous le garantis. Oui, un noyau tordu. Vous voulez un noyau tordu? Il n'y a pas de règle de ça va marcher comme ça. Enfin, si, parce que 99,9% des matrices que vous allez avoir, c'est des matrices carrées, simples, comme on fait là. Mais moralement, la méthode, elle s'apprend sur une matrice horrible. Alors allons-y. Prenons la matrice C qui vaut 1, 2, 0, moins 3, 5. 1, moins 1, 0, 0, 1. Voilà. Et je veux quart de C. La première chose à faire quand on fait un tel noyau, c'est de réfléchir à la définition du noyau. Alors ça paraît bête, mais quart de C, c'est l'ensemble des matrices X qui appartiennent... Bah tiens, qui appartiennent à quoi? Non. X, ça doit être un vecteur colonne. Donc déjà, je vous garantis que c'est un 1 derrière. Voilà. 3, 1, je suis pas d'accord. Ce qui doit multiplier cette matrice. Donc X est un vecteur... 5, 1, ce qui veut dire que si vous multipliez cette matrice, c'est par exemple x, y, z, t, w. Par exemple. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe même? Ok, bah maintenant écrivons l'équation. Vous allez voir à quel point c'est important de penser que c'est du x, y, z, t, w. Parce que c fois x, y, z, t, w égale 0, ça va être équivalent à écrire x plus 2y moins 3t plus 5z est égal à 0. X moins y plus, plus 5z, j'ai mis au bout n'importe quoi. C'est plus 5w, excusez-moi. X moins y plus w est égal à 0. Et x plus 2y... moins t plus w est égal à 0. J'ai hâte de faire des pivots. Je vais faire un pivot en w ici. En y, ça aurait peut-être été un peu mieux. Bon, bof. Ça va me faire donc du x moins y plus w est égal à 0. L2, ça va... Donc L... 1, ça a reçu L2. L2, ça va recevoir L3. Je vais faire L3 moins L2. Il va me rester du Y moins T égal à 0. Et L3, je vais faire L1 moins 5L2. Ça va me faire du moins 4X plus 7Y. Moins 3t. Donc maintenant, dans mon sous-système, donc clairement, là, mon pivot qui me paraît le mieux,
c'est y ici. Donc ça me fait du x moins y plus w est égal à 0. Oui. Ah, moins moins y, pardon, ça. Ah, du coup c'est du 3y, du coup je vais pas prendre y comme pivot. Oui, merci Mathéo. Donc je vais pas prendre y comme pivot. Bon, par contre ça change pas qu'il y ait un pivot simple ici, c'est que le pivot ça va juste devenir moins t. Bah 3y moins t est égal à 0. Et si je fais un pivot en moins t, je dois faire du moins 3 fois. Ce qui va me faire du moins 9y. Ce qui va me faire du moins 4x moins 2y. Et donc là, par exemple, je pourrais reprendre, même si je ne vais pas le faire d'un point de vue calculatoire, est-ce qu'on est d'accord que je pourrais tout reprendre, un troisième pivot en y? Ce qui a pour but de dire quoi? Ça, c'est pas à faire, mais c'est moi dans votre tête, je vous le dis. J'ai trois pivots, donc entre guillemets un rang 3. Et on avait combien de variables au départ? C'est pour ça que je vous ai demandé la taille du vecteur qui multipliait. Et 5 variables. On peut donc exprimer 3 variables en fonction des deux autres. Alors c'est là où il faudrait que je remonte mon pivot en 2y. Parce que si je remonte mon pivot en 2y, je vais bien avoir mes 3 variables. Je peux tout exprimer par exemple en fonction de x. Alors si je fais ça, je vais plutôt le faire avec de la substitution, mais en gros ici y ça va valoir moins 2x à la ligne du bas, t ça va valoir moins 3y pour le moment, et j'avais fait un pivot en x en haut, donc x ça va valoir, non w, j'avais fait un pivot en w, donc w là-haut ça va valoir du y moins x. Donc c'est pas fini parce que là j'ai deux variables, mais j'aurai un problème. Oui. Si, c'est 3y ici. Tout à fait d'accord. Donc ça, ça me fait du y qui vaut moins 2x, du t qui vaut moins 6x, et du w qui vaut y moins x, donc moins 3x. Je le mets juste comme ça, mais x étant un réel quelconque. Maintenant que j'ai résolu mon système, je passe juste à la place d'après pour revenir au noyau, et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut apprendre la méthode, et de toute façon vous n'aurez pas les points, parce que sinon vous ne travaillez pas par équivalence. Quel vecteur devait être dans le noyau de Kerr de C? C'était un vecteur x, y, z, t, w. Et maintenant je traduis tout ce que j'ai appris. Pardon, c'est pas un système, c'est un vecteur. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que x... Bah j'ai rien appris sur x. C'est un réel. Y, ça vaut moins 2x. T, ça vaut... W, ça vaut moins 3x. Qu'est-ce que j'ai appris sur Z? Et c'est là l'erreur que vous faites en général à chaque fois quand vous vous trompez royalement sur un noyau. C'est que vous dites, ah bah il est pas dans mes calculs. Si je mettais un beau 0. Oui, on n'a rien appris sur Z. Comme on n'a rien appris sur Z, ici on met un magnifique Z. Et donc ça, ça peut s'écrire x fois le vecteur 1, moins 2, 0, moins 6, moins 3, plus z fois le vecteur 2 variables, on va le diviser en deux. Voilà, donc Kerr de C, c'est vect. Est-ce que ça va sur ce principe-là? Oui. Par exemple, là, on avait droit, par exemple, à prendre des places, à la place de prendre x, enfin, toutes les valeurs en fonction de x, de les prendre en fonction de y. Oui, mais il fallait tout à partir d'une seule variable, en fait, là.
Parce que tu avais clairement fait 3 pivots, mais en fait, dans ton système, il n'y avait que 4 variables. Le z n'apparaissait jamais. Donc, comme on va devoir exprimer en fonction de 2 variables, en fait, tu n'as pas le choix. Z va être une de ces variables, il n'y a pas le choix. Donc, il n'en reste plus qu'une pour tout exprimer. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas officiellement à connaître ces notions de par combien de variables je vais exprimer, etc. Mais vous voyez à quel point c'est pratique pour savoir ce que vous cherchez à faire. Ok. Bon, on a fini. Hein. Je voulais en refaire un petit peu pour qu'on ait pu digérer un peu plus d'exo. Mais maintenant, vous avez de quoi vous entraîner. Il y a encore des exos pas faits dans le poly. Vous avez de quoi faire. L'exercice 4. Je veux dire, l'exercice 4 du TD d'hier, personne ne l'a fait. Il est corrigé en entier sur le site aussi. Vous pouvez le refaire. Vous avez de quoi travailler. Alors, un petit chapitre. Oui, petit. Vous voyez à quel point j'ai dû descendre la taille de la police pour rentrer le programme. J'allais pas mettre deux pages de points de programme, surtout qu'en plus il n'y a rien dedans. L'idée c'est que vous savez déjà tout faire, donc on va pas le faire et on va avancer vite. Alors, non, l'idée c'est que ce qu'il y a là-dedans, c'est de la première. La première confinement, vous vous en rappelez ? Non, non, mais je vais être très clair avec vous. On va aller très très vite sur le cours parce qu'il n'y a pas grand chose. Et ce qui vous pose des difficultés en proba, c'est appliquer les formules, réfléchir au raisonnement, ceci. Ça, on va y passer beaucoup de temps. Il y a au moins 2 semaines, mais j'aimerais bien que tout le cours soit vu en 2 jours pour qu'après on fasse le reste en exo. Mais le problème, c'est que si on fait un petit bout de cours, un petit bout d'exo, un petit bout de cours, un petit bout d'exo, on ne va pas avancer et vous n'allez pas arriver aux méthodes. Parce qu'il faut tout avoir pour d'un seul coup voir la largeur des méthodes de proba. Donc on va avancer. On va aller très très vite sur ces définitions de poly et de cours. Il n'y a pas grand chose. Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses. C'est des notations, des choses que vous avez déjà vues, des mots de vocabulaire à apprendre. Du vocabulaire à apprendre, ça ne prend pas 107 ans. Il faut digérer le vocabulaire et c'est tout. Donc on va essayer d'avancer vite. Je crois que j'ai pas mis sur ma clé mon poly de proba. Donc il faut que je le récupère. J'ai bien mon réseau. Oui. Alors, vous n'avez qu'une partie des choses. On va essayer d'aller vite. Première chose, rien à apprendre, juste peut-être les notations qui sont là en bas. Là, on va faire ce qu'on appelle des probabilités sur un univers fini. C'est-à-dire qu'en gros, on va considérer des ensembles qui ont un cardinal, ce qu'on note en général carte de E, mais dans certains bouquins, vous pouvez trouver la notation dièse E, ou valeur absolue de E pour le cardinal. Typiquement, quel est le genre d'expérience on va réaliser? Lançons un dé. Quelles sont les issues possibles pour lancer un dé? Ce qu'on appellera souvent l'espace oméga. Mais on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qu'on peut en noter, nous, on le sait maintenant, ça c'est le même intervalle que ceci. Donc quel est le cardinal de cet ensemble? Il a 6 éléments. Si on lance des pièces à pile ou face, les deux issues, ça pourrait être PF, pile ou face. Le cardinal de cet ensemble, c'est 2. On ne va travailler qu'avec des ensembles de cardinal finis. Ok.
pour les probas, même si c'est pas des notions de probas, c'est des notions d'ensemble, on a besoin de définir un truc qui s'appelle l'ensemble des parties d'un ensemble. Alors c'est un truc un peu relou, mais ça va, c'est tout, faut le digérer. Ce qu'on appelle l'ensemble des parties d'un ensemble, ce qu'on note en général P2E, l'ensemble de toutes les parties d'un ensemble, c'est l'ensemble des sous-ensembles de E. Alors c'est très lourd, mais expliquons ce que c'est. Imaginons que je vous donne l'ensemble 1, 2, 3, 4. Cet ensemble, il contient quoi comme sous-ensemble? Bah par exemple, 1, 2, c'est un sous-ensemble, oui, je suis d'accord. 1, 3. 1, 2, 3, c'est aussi un sous-ensemble. Bah 2, 3, oui, voilà, enfin il faudrait... 1, 2, 3, 4, c'est aussi un sous-ensemble de 1, 2, 3, 4. C'est lui-même, mais il est sous-ensemble de lui, enfin il a le droit d'être... j'ai le droit de considérer ça comme un sous-ensemble. J'ai aussi le droit de considérer l'ensemble vide comme un sous-ensemble. Si je prends aucun élément dans 1, 2, 3, 4, j'obtiens l'ensemble vide. Donc l'ensemble de toutes ces parties-là, c'est-à-dire tous les trucs qui se notent comme ça, c'est ce qu'on a. Si ceci, ça s'appelle E, ça c'est ce qu'on appelle l'ensemble des parties de E. Pourquoi on en a besoin de l'ensemble des parties de E en proba? Bah imaginons que je lance un dé. Donc je vous ai dit qu'on va avoir un espace oméga, on verra, qui est de 1 jusqu'à 6. Et ensuite, je vous demande, moi, ce que vous appelez, vous, en texte, l'événement. Un événement, c'est par exemple faire un résultat pair. C'est quoi faire un résultat pair quand on lance un dé? C'est donc considérer un sous-ensemble particulier de l'ensemble oméga. Donc en fait, ce que vous appelez les événements, vous, c'est des sous-ensembles de l'ensemble des possibilités. C'est juste ça, un événement. Donc l'événement, faire un, obtenir un lancer qui est supérieur ou égal à 4. Un résultat, quand vous écrivez un résultat supérieur ou égal à 4, ça revient à considérer le sous-ensemble 4, 5, 6. Donc j'ai besoin de vous définir ce que c'est que l'ensemble des parties P2. C'est l'ensemble de tous les sous-ensembles qu'on peut créer à partir de E. Ça contient toujours l'ensemble vide et E lui-même. C'est juste la seule chose à savoir. Oui ? Oui, mais on va pas faire des choses si compliquées que ça. On fait Alors justement, pour ceux qui ont fait maths expert, je pense que c'est en maths expert uniquement, vous avez fait du dénombrement. Où ça pique un peu. Ça a été enlevé du programme. Alors, ça a été enlevé du programme un peu bizarrement. Et je vous le lis vous-même. J'attends aussi d'avoir les premières épreuves pour voir ce qui a été dit. Si vous lisez le programme tout en haut, quelque part dans le texte tout en haut. Dernier paragraphe, juste avant généralité. On évitera pour cette première approche un usage avancé de la combinatoire. C'est ça le dénombrement, c'est la combinatoire. Et l'on s'attachera à utiliser le vocabulaire général des probabilités. Donc quand c'est marqué pour moi, on n'utilisera pas un usage avancé de la combinatoire, ça veut dire clairement pour moi qu'ils veulent faire des probabilités, ce qu'on appelle des probabilités à un pas. Et des probabilités à un pas, c'est très facile. La combinatoire, le dénombrement global, c'est beaucoup plus dur à vous faire comprendre, à vous faire passer, c'est pour ça que c'était dur. Ce qui en reste, ça va être simple. Par contre, ce que j'aime pas beaucoup, c'est que c'est marqué, on évitera pour cette première approche. J'ai regardé le programme du second semestre, moi on n'en parle pas. J'ai regardé le programme de CG2, on n'en parle pas. Donc, soit ils ont mal rédigé leur programme, c'est-à-dire qu'il y a première approche, et en fait il n'y a jamais d'approche. Donc c'est un peu flou. Donc j'attends de voir ce qui va être donné pour les premières épreuves test. Et à moins que j'ai raté quelque chose, parce que j'avoue que j'ai bien parcouru précisément le programme de CG1, le programme de CG2, j'ai regardé globalement ce qu'il y a dedans, etc. Mais j'ai pas été voir forcément au détail ligne par ligne. Donc peut-être que c'est Monsieur Pruvot qui a un moment à vous faire la combinatoire. Et dans ce cas-là, tant pis, je lui laisse. Voilà. Alors, on continue. On continue sur les choses à savoir. Mais ça, je vous apprends rien, normalement. On a déjà vu la notation A inter B.
A inter B, c'est l'intersection. Ça veut dire que pour qu'un élément soit dans A inter B, il faut qu'il soit et dans A et dans B. On a déjà vu la notation A union B. Pour faire une union, ça veut dire que X est dans A ou X est dans B. Ça, vous devez déjà le savoir. Je vous apprends rien, normalement. Vous avez déjà dû voir en proba l'année dernière, enfin avant, la notation A bar, ce qu'on appelle le complémentaire de A. C'est E privé de A. C'est tout ce qui n'est pas dans A. Si on fait un dessin, tout simplement, si on fait un dessin qui est général et qui permet de voir les choses, si je vous fais un ensemble E, une partie A et une partie B, donc ça ce serait B et ça ce serait A, on est bien d'accord que ce que je vais assurer maintenant bleu ciel, c'est A complémentaire. Tout ce qui est là, c'est A complémentaire. Ce qui s'appelle A inter B, c'est uniquement la petite zone rouge qui est là qui s'appelle A inter B. Et je vais assurer en vert, mais ce qu'on appelle A union B, c'est... J'ai bien assuré la partie commune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle A union B. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là général? C'est un concept que, normalement, je n'ai plus à vous apprendre. Et on a vu en informatique, mais c'est la même chose en maths, ce qu'on appelle les lois de Morgan. On avait vu en informatique que nier un ou, le contraire d'un ou, ça devient un et. Le contraire d'un et, ça devient un ou. Bah, donc ça se traduit par la propriété 1 qui est en dessous. Le contraire de A inter B, c'est le contraire de A ou le contraire de B. Et le contraire de A ou B, c'est A complémentaire, inter B complémentaire. Donc c'est le même principe de le contraire de E, c'est OU, le contraire de OU, c'est E. Donc je vous apprends normalement vraiment pas grand-chose. On avance. Mais on a déjà expliqué une partie du vocabulaire qui suit. Vous voyez, je vais déjà avoir fait en 10 minutes deux pages. Je suis obligé de changer de page. Alors, c'est ça aussi qui rend un petit peu les probas compliqués en général pour vous. C'est quoi des probas? Alors, des probas, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Plus tard, ce qu'on appellera un espace probabilisé, ou une expérience aléatoire, c'est la donnée de trois choses. Un ensemble oméga, qu'on va appeler en général l'univers. Un ensemble qui s'écrit grand A, qui va s'appeler l'ensemble, la collection d'événements. Et un ensemble qui s'appelle grand P, qui s'appelle la probabilité. Ok, donc ça c'est ça un espace de proba. C'est quoi un univers? Et c'est ça qui en général complexifie un peu les choses en maths, c'est que en maths en général vous considérez des réels, des entiers, des ensembles tangibles, propres. En proba, un univers, c'est un ensemble d'objets. Et je peux pas vous dire que qu'on appelle des issues de l'expérience, mais je peux pas vous dire que ce sera un ensemble de réels ou un ensemble d'entiers. Officiellement, quand vous lancez une pièce à pile ou face, votre résultat c'est pile ou face. C'est pas un nombre, c'est pile ou face. Alors ce qu'il y a, c'est que tout résultat peut être converti en ensemble de nombres. On peut bien sûr dire que pile ça correspond à 0 et face à 1, et ça revient à travailler sur l'ensemble 0,1. Pareil, ça dépend aussi de votre modélisation. Est-ce que votre pièce, elle a une chance de tomber sur la tranche? Vous avez le droit de considérer ça. C'est votre choix. Donc dans votre, si vous considérez ça, bah, tous les calculs vont pas être mêmes. Votre espace oméga, ce n'est pas le même. Voilà. Donc l'univers, c'est l'ensemble des réalisations qui va se passer. Typiquement, imaginons que vous avez une urne avec 5 boules numérotées de 1 sac et que vous tirez 2 boules. L'univers, c'est l'ensemble des deux numéros que vous avez pu tirer. Après, on va peut-être faire des probas, quelle est la probabilité de tirer le numéro 5 dans les deux boules, ou ce genre de choses. Mais l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles de l'expérience, en fait. Ok. La collection d'événements. Dans ce chapitre, je ne dois pas vous embêter avec ça, mais je vais le faire quand même 5 minutes parce que j'ai quand même un doctorat en probabilité et que ça va m'énerver, en statistique, pardon, et ça va m'énerver si je vous en parle pas. Alors,
l'ensemble des événements, grand A, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des issues mesurables. Et ce mot mesurable, nous on va le jeter à la poubelle et on va dire que grand A, c'est l'ensemble de toutes les parties de oméga. On peut tout mesurer. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle la vie quand on peut tout mesurer. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un exemple simple que vous pouvez concevoir. Quel est l'ensemble des issues possibles d'un lancer de dés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous lancez votre dé ici en plein jour, il n'y a aucun souci, vous pouvez mesurer n'importe quel événement. Vous pouvez savoir quand est-ce que votre dé fait un truc lancé pair, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il fait 6, vous pouvez tout savoir. Alors vous allez dire, mais pourquoi vous voulez faire ça? Imaginez maintenant qu'on lance un dé dans le noir et que le dé il est fluorescent uniquement sur les faces paires. Est-ce que vous pouvez mesurer l'événement le dé fait 3? Non, vous ne pouvez pas mesurer l'événement le dé fait 3. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'il va faire 3. Vous ne pouvez pas l'observer, ce 3. Il existe. Votre dé, il y a des fois, il va faire 3. Mais vous ne pouvez pas l'observer. Vous ne pouvez juste mesurer la probabilité qu'il soit impair. C'est-à-dire qu'il tombe sur une face noire. Si c'est fluorescent, par contre, vous pouvez connaître la probabilité de faire 6. Quand il fera 6, ce sera une face fluorescente, vous le verrez. Ethan. Ça, c'est, tu supposes des choses que ton dé il est équilibré, on le sait même pas. Non mais, de quel droit il serait équilibré ce dé? Vous en savez rien quand on vous donne un dé à faire, à lancer. Donc, non mais est-ce que vous voyez le problème de ce que pourraient être des événements non mesurables, avec cet exemple simple? Bah, la base des statistiques, le concept même des statistiques, c'est approcher des probabilités. Quand on fait des réalisations, typiquement, je vais lancer mon dé, je vais essayer de connaître à peu près les probabilités de chaque face, pour par exemple savoir si mon dé est équilibré. Mais il faut imaginer qu'en fait, la vraie vie, c'est bourré de choses non mesurables. Typiquement, quand vous devez mesurer l'incidence d'une épidémie, au cas où ça parlera à quelqu'un en ce moment, vous savez quand quelqu'un tombe malade, vous? Non, il va faire un test PCR. Quand il a fait un test PCR, vous dites « Ah, il est positif !» Il est positif depuis combien de temps? Vous pouvez le mesurer depuis combien de temps il est positif? 3 jours, 2 jours, une journée? Non, vous ne le savez pas. Vous savez encore combien de temps il va rester malade? Alors, il y a des gammes de valeurs, bien sûr. Mais est-ce que c'est 5 jours, 3 jours, 7 jours? Ça dépend de la personne. On ne peut pas le mesurer. Donc, commencez à essayer d'estimer des paramètres comme la virulence de l'épidémie, comme savoir quelles mesures il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour que le pic soit pas trop haut et qu'on soit pas obligé d'arrêter Noël. Voilà, des stats, c'est essayer de résoudre ces problèmes avec toutes ces données manquantes tout le temps. Autre problème, mais pour expliquer encore les données manquantes, Peugeot veut faire une étude de fiabilité de son moteur. Autre problème qui n'a rien à voir, vous allez dire. C'est facile, il regarde quand est-ce que les moteurs ils lâchent. Ouais, je suis d'accord. Sauf que combien de voitures vont se prendre un mur avant que le moteur il lâche? Comment vous testez la fiabilité du moteur sur la voiture qui s'est pris le mur? Vous n'avez pas les données, vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas mesurer sur cet événement-là ce qui se passe. Donc, pendant 2 ans, même l'année prochaine, vous avez un cours de statistique, mais on va vous enlever tout ce problème-là. Vous mesurez tout. Tout est beau, la vie elle est belle, on fait des maths simples. Et si un jour, quand vous ferez du marketing, mais un peu poussé, vous devriez estimer des choses pour savoir si votre marché il est rentable ou pas quand même. Enfin, et pas juste j'ai pas lancé des chiffres dans un tableur Excel comme ça pour faire beau. Mais si vous faites des vrais maths derrière, je peux vous assurer que ce qui se passe, c'est pas si simple que ça du tout. Bref, pour nous, tout est beau, tout est joli, on peut tout mesurer. Donc en gros, c'est quoi la collection d'événements? C'est toutes les parties de Oméga. On peut tout obtenir, tout mesurer. Ok. On continue dans les définitions que vous devez connaître.
devez déjà savoir ce que c'est qu'un événement impossible ou un événement sûr. Alors, en général, vous, vous le définissez pas comme ça. Ce que vous appelez un événement impossible, c'est un événement de probabilité 0. Et un événement sûr, c'est un événement de probabilité 1. Sauf qu'en fait, on peut les définir sans notion de, d'impossible et sûr. C'est juste un événement impossible, c'est un événement ensemble vide, et un événement sûr, c'est un événement oméga. Typiquement, si j'appelle A l'événement, le D est pair, et B l'événement, le D est impair, enfin le résultat du D bien sûr, hein, je vais un peu vite. Clairement, A union B, bah c'est voilà, ça va faire oméga. Vous avez toutes les réalisations possibles si vous faites A union B. Et donc ça, c'est un événement sûr. Votre D, il est soit pair, soit impair, à moins qu'il retombe jamais, mais ça, c'est pas pris en compte. Et est-ce que votre D peut être à la fois pair et impair? Non, donc ça, c'est l'ensemble vide, c'est un événement impossible. Ah, donc ça, vous devez déjà connaître. Encore une fois, je vous ai défini tout à l'heure l'ensemble à barre. L'ensemble à barre, c'est ce qu'on appelle en événement l'événement contraire. Ensuite, quand justement, comme c'est le cas ici, deux événements sont d'intersection vide, on dit que ces événements sont disjoints ou sont incompatibles. Ça veut juste dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Typiquement, on va faire un exo à un moment avec de la météo. Je vais dire soit il fait soleil, soit il fait nuage, soit il pleut. Bon, il ne peut pas en même temps pleuvoir et faire soleil. Bah si, il y a des arcs-en-ciel, mais c'est pas pris en compte. Alors, dernière chose, et après ça, on pourra arrêter, je pense. Oh, on va peut-être que, quand même juste finir le cours là-dessus. Alors, en général, les profs de lycée ont plus l'habitude d'utiliser le mot « partition de l'univers », ça vous avez dû en entendre parler, que « système complet d'événements ». Si vous avez entendu parler, nous, dans le supérieur, on n'utilise que le mot « système complet d'événements ». Donc c'est le même mot, il faut apprendre le nouveau, enfin c'est le même concept, il faut apprendre le nouveau. C'est quoi un système complet d'événements? C'est une famille d'éléments de E, donc c'est une famille d'événements AI, tels que chacun des AI par rapport aux autres AJ, ils sont disjoints les uns des autres, et leur union fait oméga. Donc ça, cette définition elle s'apprend, si je reprends mon exemple de oméga, c'est mon lancer de dés. Bah par exemple... Si je pose A1, ce serait l'événement 1-2. A2, ce serait l'événement 3-4. Et tiens, j'ai envie d'être bête. Je vais faire A3, c'est 5. Et A4, c'est 6. La famille A1, A2, A3, A4 est un système complet d'événements. A1, A2, A3, A4. Alors, système complet d'événements, vous me le verrez jamais écrit en entier, c'est trop long. SCE. Vous, la première fois que vous l'écrivez sur une copie, vous écrivez système complet d'événements, et derrière, vous écrivez entre parenthèses SCE, et après, vous dites SCE, 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 à tout va. Mais la première fois, vous l'écrivez bien. Donc, 1, 2, 3 est un SCE. Oui, leur intersection est nulle, et si je fais l'union, ça fait clairement oméga. On verra que ça sert surtout dans une situation particulière quand on aura des variables aléatoires, parce qu'une variable aléatoire crée naturellement un SCE et que ça on s'en sert à tour de bras. Mais sinon c'est juste une définition qu'il faut connaître. Je remonte. On arrive enfin. Je vous ai dit, un espace de proba c'est la donnée de trois choses. Un univers des possibles, ce qui est mesurable dedans. Donc les événements mesurables. Troisième chose, une probabilité. Alors ça, en général, on vous le dit pas trop, mais en fait, une probabilité, c'est une fonction. C'est une fonction qui prend en entrée un événement et qui, en sortie, recrache un nombre entre 0 et 1. Elle doit recracher un nombre positif, donc un nombre entre 0 et 1, et elle doit avoir deux propriétés. C'est ça qui définit une probabilité. La première propriété, c'est que si on fait la probabilité de tout l'univers, ça doit faire 1. Et ensuite, et ça c'est une grosse contrainte, c'est pour ça qu'une probabilité c'est pas n'importe quoi, c'est que si on fait l'union de deux événements disjoints, la probabilité de A union B, c'est probabilité de A, plus probabilité de B.
C'est-à-dire que c'est quoi pour un dé la probabilité de faire 2 ou 4? C'est la probabilité de faire 2 plus la probabilité de faire 4. Donc ça, c'est dans la définition d'une probabilité. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas une probabilité. Et donc, bien sûr, si on crée une probabilité, on a des principes calculatoires fondamentaux que vous, normalement, vous maîtrisez, qui ne vous posent pas de problème. La probabilité de oméga, ça fait toujours 1. La probabilité de l'ensemble vide, c'est toujours 0. La probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de A. La probabilité d'une union, quand elle n'est pas disjointe, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection. Ça, vous êtes censé connaître et avoir vu. Ça vous va, ces trucs-là? On refait un rappel vite de cours. C'est pour ça que je dis qu'on va aller vite. Parce que là, on n'a encore rien vu. Hein. Enfin, on n'a encore rien fait d'exceptionnel. Je reparlerai de la formule du CRIB cet après-midi. Je vais juste arrêter là, avec ça. On fera l'exercice cet après-midi. Mais je donne juste ces deux propriétés-là et on arrête. Comment on vous définit une probabilité dans un exo? De deux façons. En fait, définir une probabilité, c'est soit se donner un tableau de probabilité. Typiquement, dans mon exercice 1, je vous ai donné un dé qui n'est pas équilibré. La probabilité qu'il fasse 1, c'est 1 cinquième. La probabilité qu'il fasse 2, c'est 2 quinzièmes. La probabilité qu'il fasse 3, c'est 1 cinquième. Enfin, il n'est pas équilibré, mon dé. Donc soit on vous donne un tableau de probabilité, et une fois que vous avez le tableau de probabilité, faites des calculs dessus. Soit c'est un cas particulier, on vous dit que votre tirage se fait au hasard. Et quand le tirage se fait au hasard, ça veut dire que l'issue de n'importe quel événement, c'est 1 sur le cardinal de oméga. Typiquement, mon lancer de dé, j'arrête là. Quand on vous dit on lance un dé équilibré, puisqu'on peut faire des résultats de 1 à 6, la probabilité de chacun des événements, ça va être 1 sixième. Donc là, normalement, je vous ai rien appris, on arrête là. Donc juste pour revenir, on était en train à peine de donner des définitions de base et de ce que c'est qu'une probabilité. Alors oui, ça mène à des exos très très bêtes et très très simples. Comme l'exercice 1 que vous avez dans le poly. Si je vous donne un dé non équilibré et que je vous demande les probabilités d'événements suivants, des choses assez simples... Juste pour montrer comment ça marche et être sûr qu'on comprenne bien les choses. C'est quoi la probabilité d'obtenir un résultat pair? Ce qu'on va souvent noter probabilité. Bah, du coup, pour un dé, c'est soit de faire 2, soit de faire 4, soit de faire 6. Ce qu'on a dit, c'est que si on peut décomposer ça en morceaux disjoints, les probabilités, c'est une somme. Donc ça, dans le cas où on est là, ça deviendra toujours probabilité de 2 plus probabilité de 4 plus probabilité de... 6. Et ça, maintenant, dans notre exo à nous, il faut se référer au tableau de probabilité. C'est-à-dire que cette probabilité de faire 2, de faire 4, de faire 6, si je regarde mon tableau, c'est équiprobable pour ces trois trucs-là, ça fait 3 fois 2 sur 15. Je simplifie par 3, ça me fait du 2 cinquième. Voilà un exemple. Quel est, pareil, si on veut faire la même chose, tiens, ça c'est pour donner des règles qui vont aller très très vite. La probabilité d'affaire un résultat, d'obtenir moins que 4. Je suis d'accord que mon texte est mal fait. Je voudrais dire moins, alors moins que 4. Bon, c'est pas très... Moins que 4, c'est strictement plus petit que 4 ou ça contient 4? Disons que c'est 1, 2, 3. Selon le même principe, ça ferait probabilité de 1 plus probabilité de 2 plus probabilité de 3. Ce qui ici va moins bien se simplifier parce que les probabilités ne sont pas faites pour aller ensemble. Ça fait du 1 cinquième plus 2 quinzième plus 1 cinquième. Si je mets tout sur 15, ça fait du 8 quinzième ça. Est-ce que ça vous va sur ce principe là? Il n'y a rien de très très méchant pour le 1 lancé de dé. Hein. Probabilité d'obtenir un nombre pair est moins que 4. La probabilité d'obtenir un nombre pair est moins que 4, c'est la probabilité de faire 2. Donc bah, la probabilité de faire 2, elle est dans le tableau. Donc là, encore une fois, c'est juste comprendre l'événement. Alors ça aussi, c'est un des trucs sur lequel on va avoir du mal en proba. Enfin, du mal. C'est sur ça qu'il va falloir raisonner. Bien comprendre de ce qui reste quand on met plusieurs conditions à un événement. Et juste pour vous montrer autre chose, probabilité d'obtenir pair ou moins que 4. Bah, donc c'est faire 1, 2, 3, 4 ou 6. Pair ou moins que 4. Et ça, bah, par exemple, c'est beaucoup trop long à calculer.
il y a 5 éléments dedans. Mon espace total, il est composé de 6 éléments. Je vais clairement plutôt passer par... Oui, on va passer par le complémentaire. Donc ça va être 1 moins P de 5 ici. Et donc ça vaudrait, par exemple ici, je ne sais plus ce qu'il y a dans mon tableau pour P de 5, mais ça vaut 4 cinquièmes cette proba-là. Est-ce que ça va sur ces petits trucs de base? Normalement, ça, c'est vraiment le B.A.B.A. C'est pas sur ça que vous avez du mal, c'est pas ça qu'on vous fait faire dans les exercices. C'est juste pour qu'on ait le même vocabulaire des probas de base. On fait des intersections d'événements, des unions d'événements, on décrit un événement par rapport à des tirages, ce genre de choses. Donc ce que j'ai dit, ce qui va nous arriver le plus, c'est ce qu'on appelle l'équiprobabilité. C'est quand on fait des tirages au hasard, on va vouloir compter... C'est-à-dire que la probabilité de tirer un élément quelconque, c'est du 1 sur cardinal total de l'espace. Et quand on crée un événement qui considère plusieurs éléments, alors dans ce cas, c'est juste le cardinal du nombre d'éléments de A divisé par le cardinal de oméga. Si je veux faire un exemple facile de ce genre de choses, prenons une urne. Ça, c'est un truc classique que vous travaillez, mais... Une urne qui contient 7 blanches, 3 rouges et 4 noirs. On tire une boule au hasard de l'urne. Et la probabilité que je vais chercher, c'est la probabilité que la boule tirée soit une boule. À tirer une boule rouge. Comment on calcule ce genre de probabilité là? C'est là où d'un seul coup il y a un nouveau niveau qui se rajoute, mais c'est pas encore très très dur ça. Nathan? Oui, c'est exactement ça. Alors, et j'ai beaucoup aimé ta phrase que c'est exactement comme ça qu'on va expliquer les choses. Cette formule qui dit cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est exactement ça. Il faut compter le nombre de cas favorables, le nombre de cas possibles que tu as dit, sur le nombre de cas total. Cette formule-là, c'est la base de ce que je vais appeler, moi, les probabilités à un pas. Si vous comprenez ça, et c'est ce et que qui va être un tout petit peu lourd, de le généraliser avec des paramètres n, donc imaginons... Je change mon exo, je vais répondre à ça, mais si je vous avais dit il y a M boule blanche, P boule rouge, K boule noire, est-ce que ça vous pose le moindre problème ou pas? Si ça, ça vous pose aucun problème, je vous assure que vous saurez et que vous apprenez vos formules de cours, vous savez tout faire en proba. C'est-à-dire qu'il faut savoir dénombrer ce genre de cas favorables quand il y aura des paramètres. Typiquement ici, on est tous d'accord qu'il y avait 3 boules rouges sur 14 boules au total, donc la probabilité c'était 3 quatorzièmes, et ce qui deviendrait avec mes paramètres du P sur M plus P plus K. Voilà le genre de choses qu'il va falloir faire. Alors, en un peu plus compliqué quand on va faire plusieurs tirages d'affilée, mais vraiment le concept à un pas, c'est ce concept-là. Combien y a-t-il de boules dans mon urne? Combien y a-t-il de cas favorables? Combien y a-t-il de cas au total? J'ai la probabilité. Ok, donc ça c'est la base des probas. Alors ce que vous avez surtout vu en première, normalement c'est même pas ça, c'est la suite. Je l'expliquerai d'autres choses plutôt un peu plus tard. C'est le principe de notamment de l'indépendance et de la probabilité conditionnelle. Alors on va revenir sur des choses. Et sur des choses qui vont pas du tout en général sur ce thème là, notamment l'indépendance. Donc je vais essayer de mettre dans le poly, enfin là, de l'autre côté, je suis en bas de page, parfait. Donc j'espère que... j'espère que vous connaissez la définition, sinon il faut l'apprendre. Deux événements sont dits indépendants, A et B, si et seulement si la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire la probabilité que les deux se produisent en même temps, soit égal à la probabilité du produit. Si vous l'avez jamais vu, faut l'apprendre, c'est une définition, c'est ça qui définit l'indépendance. Justement, c'est une notion qui est traître et que vous maîtrisez mal
Parce qu'en général, vous pensez que c'est une notion intuitive, et c'est le cas général de toutes les probabilités. C'est-à-dire que vous pensez que les probabilités, c'est quelque chose d'intuitif, quand en général, c'est juste pas intuitif, c'est logique. Et donc, tous les petits raisonnements intuitifs, en général, vont mener soit à des choses très très bien qui simplifient des calculs, soit à des choses complètement fausses. Donc, il faut arriver à faire de la technique et pas à, entre guillemets, de l'intuition foireuse et des phrases. Oui, Martin ? Alors justement, j'expliquerai ça dès qu'on aura aussi vu un petit peu la notion de probabilité conditionnelle, c'est quand on va faire un dessin, en fait c'est assez particulier pour que des événements soient indépendants, c'est que moralement, si je fais un espace oméga, alors je le fais carré parce que c'est juste pour voir des surfaces, c'est un tout petit peu mieux. Si dans cet espace je place un événement A et un événement B, donc qui aurait une intersection. Hein. Alors il faut que j'arrive à faire. Bon, j'ai fait un dessin trop général pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Mais en gros, pour que des événements soient indépendants l'un de l'autre, c'est assez compliqué. La probabilité, si on est en tirage équiprobable, c'est complètement vrai ce que je raconte. Si on n'est pas en tirage équiprobable, il faudrait juste déformer le dessin d'une certaine façon. En tirage équiprobable, la probabilité de A, c'est la proportion de cette surface-là dans l'espace total. C'est ça, c'est pour ça que c'est un nombre entre 0 et 1. Donc si vous avez une proba de 0,4, ça, c'est que ça recouvre 40% de votre surface. Alors, si votre proba n'est pas équiprobable, c'est comme si vous mettez des plots de différentes hauteurs et ça doit recouvrir 40% des plots, entre guillemets. C'est juste ça que ça veut dire. Mais cette idée de pourcentage reste vraie. Pour que deux événements soient indépendants, il faudrait que la proportion de A dans oméga, ce soit la même proportion que la proportion... Alors, pour que A et B soient indépendants, il faudrait que la proportion de A dans B, c'est-à-dire que maintenant j'oublie tout ce qu'il y a autour... Je me limite à ce petit carré-là. Et il faudrait que la proportion de ce que je vais hachurer en vert soit la même que la proportion de ce qu'il y avait d'hachurer en rouge dans l'espace oméga. Donc c'est des événements qui se répartissent assez bien pour que l'un avec l'autre, quand on dézoome ou quand on rezoome, on ait la même proportion, entre guillemets. Donc c'est un concept qui est très compliqué à essayer de justifier. Et c'est pour ça que l'intuition sur les événements indépendants ne marche pas. Alors après, l'intuition sur... C'est aussi pour ça qu'on peut plutôt vous l'expliquer de façon intuitive. Va marcher dans des cas très simples. Imaginons, je lance 2 dés, pas du tout liés les uns avec les autres, 2 dés différents. Le résultat de l'un ne va pas influer sur l'autre. Donc en gros, moralement, la proportion... Si un dé fait 6, la proportion pendant que celui-là va faire 6, qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être la même partout. Donc ces idées de proportion l'une dans l'autre vont clairement bien se respecter et on va avoir deux résultats qu'on peut dire là logiquement indépendants. Donc ça a une notion logique, enfin ça a une notion intuitive plutôt, mais la vraie définition c'est dire que le fait que la probabilité de l'intersection c'est le produit des probabilités, ça veut dire qu'en proportion, on garde la même proportion en zoomant, en dézoomant. Justement, faisons le premier exo qui est l'exercice 3 à ce niveau-là pour essayer de comprendre ça. Parce que ça, c'est justement tout typiquement le cas non logique ou intuitif foireux, j'explique. On tire au hasard dans un jeu de 52 cartes. Et on note l'événement A tirer un roi et l'événement B tirer un pique. Sont-ils indépendants? Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de me faire une réponse foireuse là-dessus? Pourquoi ils ne sont pas indépendants? J'ai entendu quelqu'un dire non, il y a un argument foireux. Bah non, on peut bien entendu tirer... Le roi de pique. Alors justement, et c'est pour ça que je parle de pas intuitif et on va faire des vrais calculs. Vous confondez deux notions qui n'ont rien à voir. Le fait de tirer le roi de pique, vous confondez indépendant et incompatible. Le fait qu'il y ait un roi de pique, heureusement. Parce que s'il n'y avait pas de roi de pique, ça voudrait dire que la probabilité de tirer un roi et de tirer un pique... serait nul. Donc forcément, la probabilité de l'intersection... Attention, ça c'est faux hein, ce que j'écris. C'est juste pour dire, ça vaudrait 0 s'il n'y avait pas de roi de pique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que la probabilité de l'intersection, s'il n'y a pas de roi de pique,
forcément la probabilité de 1 inter B c'est 0. Si la probabilité de l'intersection c'est 0, est-ce qu'elle peut être égale à P de A fois P de B? Point d'interrogation, hein, c'est pas... Avec probabilité de tirer un roi ou tirer un pic? Bah non, parce que les deux autres seraient non nuls, vu qu'on aurait des rois et des piques dans notre jeu. Mais ce serait pas du tout ça. Donc confondre, se dire c'est pas indépendant parce qu'il y a le roi de pique, c'est absolument pas faire de l'indépendance, c'est faire essayer de faire justement ce que j'appelle un raisonnement intuitif en proba, et c'est ces raisonnements-là qui vous mènent nulle part. Parce que justement, c'est justement parce qu'il y a le roi de pique que c'est potentiellement indépendant. Justement, tirer un pic et tirer un cœur, vu que c'est pas possible en même temps, ce sont pas des événements indépendants. Quand dehors il fait du soleil, vous savez qu'il ne pleut pas. Donc, autre façon aussi de bien expliquer la notion de proportion respectée l'un dans l'autre, des événements sont indépendants si quand on sait qu'un est réalisé, on n'obtient pas d'informations sur l'autre. Donc si je reprends mon histoire des 2 dés, si j'ai mon premier dé qui a fait 6, est-ce que j'ai la moindre information sur la valeur du deuxième dé? Aucune. Si je vous dis que dehors il fait du soleil, j'ai raté mon coup, est-ce que vous avez une information sur la probabilité qu'il pleuve? Bah oui, vous avez obtenu une grosse information. Donc ça, ce sont des événements qui sont non indépendants. Une bonne façon intuitive, mais la correcte, de considérer des événements indépendants, c'est de savoir si vous gagnez de l'information, si l'un est réalisé par rapport à l'autre. Reprenons ça comme ça maintenant. Vous avez tiré un pic. Est-ce que vous avez gagné de l'information pour savoir si c'est un roi ou pas? Ou alors vous avez tiré un roi, est-ce que vous avez gagné de l'information pour savoir si c'est le roi de pique ou le roi de trèfle ou le roi de carreau ou le roi de cœur? Ça influe absolument pas sur l'autre. Ces deux événements, on va le voir par le calcul, on va le prouver, mais ces deux événements sont indépendants. Oui, si on tire un roi de pique, il y aura un pique de moins. Non, mais on fait qu'un seul tirage. Là, vous essayez de faire des trucs simultanés qui est beaucoup trop compliqué pour vous. On va faire des trucs successifs. Oui, mais justement, c'est encore une fois la même chose. C'est parce qu'il y a le roi de pique que ça va marcher, qu'ils vont être indépendants. Donc faisons le vrai exercice. Est-ce qu'on est bien d'accord que la probabilité de 1 inter B, maintenant, c'est la probabilité, justement, de tirer le roi de pique? Un magnifique pique. On est bien d'accord que puisque c'est une seule carte, on revient dans le tirage équiprobable, tirer une seule carte, c'est une probabilité de 1 sur 52. Ça, c'est la probabilité de 1 inter B. Là, de notre côté, probabilité de A, l'événement A, c'est lequel des deux? C'était tirer un roi. Bah clairement, probabilité de tirer un roi, c'est 4 sur 52, vu qu'il y a 4 rois dans le jeu. La probabilité de B, la probabilité de tirer un pic. Bah ça, c'est un peu facile aussi. Enfin, c'est un peu facile, il y a 4 couleurs dans le jeu équilibrées. Donc c'est un quart de 52, c'est-à-dire qu'il y a 13 pics sur 52. Enfin, moralement, ça fait un quart. Tout comme, puisqu'il y a 13 pics, ça fait un 13e. C'est logique, enfin c'est juste, il y a 13 figures de chaque couleur. 52 cartes, je dis pas n'importe quoi, non, 52 ça marche. Et maintenant je peux vérifier que si je fais P de A fois P de B, ça fait 1 sur 13 fois 1 sur 4, ça fait bien du 1 sur 52, ces deux événements sont bien indépendants. A et B sont indépendants. Donc c'est bien ça qui permet de définir la notion d'indépendance. C'est juste c'est cette preuve-là, on revient à la définition. Et donc c'est les calculs. Et si on veut essayer de raisonner d'un point de vue logique, est-ce que ça va être indépendant ou pas, c'est est-ce que le résultat de l'un influence sur le résultat de l'autre. Faisons des choses plus compliquées mais qu'on fera plus tard. Comment j'explique ça avec un truc? Je lance 10 fois une pièce. Je compte le nombre de piles que j'ai fait sur mes 10 pièces. Et en fonction du nombre de piles, imaginons que j'ai fait 7 piles. Je remplis une urne avec 7 boules, numérotées de 1 à 7, et je tire un numéro au hasard. Expérience en deux temps.
Je lance d'abord des pièces, puis après je tire une boule au hasard. Est-ce que le numéro de la boule est indépendant de la pièce? Non, clairement pas. Si je sais que ma boule a par exemple fait le numéro 10, si j'ai pu tirer la boule numéro 10, c'est parce que forcément avant j'ai fait 10 piles sur mes pièces. Donc la valeur de la boule influe sur le nombre de piles que j'ai fait avant. Et pareil, à l'inverse, si le nombre de piles que j'ai fait, imaginons que je fais qu'un seul pile. Bah, je mets une seule boule dans mon urne qui est numérotée 1. Donc j'ai déjà de l'information, si j'ai fait un seul pile, j'ai de l'information sur la valeur que veut prendre à la deuxième variable. Donc voilà typiquement deux variables qui sont non indépendantes. Alors que, moralement, il y a eu deux tirages au hasard dans l'expérience, vous êtes bien d'accord avec ça. Donc c'est vraiment un concept qui... Bon, il faut juste connaître les définitions. Mais qu'il faut pas prendre à la légère, encore une fois, les probas, c'est quasiment jamais intuitif, c'est logique. C'est-à-dire que c'est des calculs et des trucs carrés et les raisonnements intuitifs comme « mais non, c'est pas indépendant, il y a le droit de pique », ça marche pas. Alors ça, deux événements indépendants, c'était officiellement dans le programme de première aussi, vous avez dû voir normalement ce que c'est qu'une famille d'événements indépendants. Une famille d'événements indépendants A1 jusqu'à AN, si je donne N événements, bah la famille est indépendante. Alors justement, on dit en général, on précise dans leur ensemble. C'est-à-dire que la famille est indépendante si la probabilité de l'intersection de tous les événements, ça fait le produit de toutes les probabilités. Alors attention, on vient de faire une... j'ai mis propriété, j'aurais dû mettre définition. Je ne sais pas pourquoi c'est une propriété, c'est une définition, ça, c'est pas une... pas une propriété. Ceci est une définition. Alors attention justement. L'indépendance 2 à 2 d'événements et l'indépendance d'une famille d'événements dans leur ensemble, c'est pas la même notion. En général, ce qu'on vous proposera, c'est la notion d'indépendance générale. Donc si on a l'indépendance de toute la famille, on a forcément l'indépendance 2 à 2. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et il y a un exemple simple à voir. C'est l'exercice 4 que j'ai mis là. On va considérer 2 dés et 3 événements. Donc j'ai 2 dés, un dé blanc, un dé noir. Et mes 3 événements, c'est... L'événement A, c'est le dé noir fait un résultat pair. L'événement B, c'est le dé blanc fait un résultat impair. Et l'événement C, c'est le résultat des 2 dés sont de même parité. Normalement, vous pouvez me dire quelque chose d'assez évident dans cet exercice 4. Sur ce qui va se passer pour... je vais pas changer de page. Mais donc si vous avez compris mes 3 événements, ça va faire quoi? A inter B inter C. Je veux que le dé blanc soit pair, le dé noir soit impair et que les deux soient de même parité. Cassiopée? C'est l'ensemble vide, donc la probabilité de l'ensemble vide. Ça fait 0. Est-ce que du coup, est-ce que ça peut être égal à la probabilité de A fois la probabilité de B fois la probabilité de C? Bah non, parce que les trois probabilités sont non nulles. Parce que, bah oui, un dé a une probabilité de tomber sur un résultat pair, l'autre a une probabilité de tomber sur un résultat pair non nul, et les deux peuvent être de même parité. Alors par contre, donc ça veut clairement dire que A, B, C ne sont pas indépendants. Dans leur ensemble. Mais, par contre, si vous essayez de me faire la probabilité de A inter B, donc là, A inter B, c'est l'un fait pair, l'autre est impair. Il faut faire tous les calculs, mais en gros, ça fait tous les couples, c'est un peu lourd, mais il faudrait faire 1, 2. Vous êtes d'accord, je ne vais pas tout lister, mais il y aurait 1, 2, 1, 4, 1, 6. C'est-à-dire le premier dé a fait impair, a fait 1, et l'autre a fait 2, 4 ou 6. Puis après, il y aurait 3, 2, 3, 4. Ah si, je vais tout lister parce que j'ai fini. 5, 2. 5, 4. Et 5, 6. Vous êtes d'accord que c'est ça l'ensemble de toutes les possibilités ici? Donc ça, par exemple, bah, c'est facile. Il y avait 9 possibilités. J'avais combien de possibilités au total de couple? J'avais 6 valeurs pour le premier, 6 valeurs pour le deuxième. Ça me faisait du 6 fois 36. Donc ça me fait du 9 sur 36. Et si je calcule P de A...
La probabilité de faire pair, c'était du 1 demi. P de B, la probabilité de faire impair, c'était 1 demi aussi, on est bien d'accord. Et si vous me simplifiez ce 9 sur 36, ça, ça me fait du 3 x 3 sur 3 x 2 x 3 x 2. Ce qui me permet de barrer pas mal de 3. La probabilité de l'intersection, ça fait du 1 quart. Et, ça fait, et c'est bien égal à P de A fois P de B. Donc A, inter B, inter C sont pas indépendants. Je vais pas te faire tous les calculs, mais je vous assure que A et B sont indépendants, 2 à 2. B et C sont indépendants, 2 à 2. A et C aussi sont indépendants, 2 à 2. Mais dans leur ensemble, ils sont pas indépendants. Et qu'est-ce qui les rend non indépendants? Justement parce que l'intersection devient 0. Il y a une incompatibilité des événements qui se créent. Donc j'obtiens de l'information. Je ne peux pas avoir à la fois des dés de même parité avec un impair et l'autre pair. J'obtiens de l'information. Si je sais que j'ai tout ça, je sais de l'information sur le reste. A et B sont indépendants. Bon, soyons clairs, nous, ça va pas trop nous intéresser ce genre de calcul dans ce qu'on va apprendre à faire, nous. Il va se passer deux choses. On va vous donner une expérience. Vous aurez des intersections de probabilité à calculer. Et il y aura deux cas. Soit les événements sont indépendants et vous pouvez transformer l'intersection en produit. Soit ils ne sont pas indépendants et on va utiliser une formule qui s'appelle la formule des probabilités composées. Il y a juste deux cas possibles et c'est comme ça que ça marche. On va très peu faire ce genre d'événements. Mais c'est quand même bien d'avoir compris cette notion de des événements sont indépendants si je n'ai pas d'informations sur l'un quand je réalise l'autre. Nathan ? Oui, il y aurait ces trois calculs-là à faire. J'en fais qu'un parce que le reste va se passer de la même façon. C'est pas sur ce genre d'exo que j'ai envie qu'on perde du temps. Mais voilà pour ça. Je vous laisserai faire aussi, je vais juste l'afficher au tableau. C'est pour vous montrer cette histoire que l'indépendance, ça se joue à la proportion. Je vous assure que... Regardez, l'exercice 5. On considère deux événements A et B vérifiant P de A qui vaut 1/2, P de B qui vaut 2 tiers et P de A union B qui vaut 5/6. Est-ce qu'ils sont indépendants? Donc là, c'est exactement ce que j'avais essayé d'expliquer au tout début à Martin. C'est que, moralement, si j'essaye de faire un dessin avec... Est-ce que vous êtes d'accord? Imaginons que j'essaye de faire un espace oméga et que dedans je veux faire un événement A qui a une probabilité de 1/2. Bah clairement je vais prendre A qui vaut tout ça, vous êtes d'accord? Maintenant je veux prendre un événement B qui a une probabilité de 2 tiers, mais je veux aussi que l'union fasse 5/6. Non mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est très 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 contraignant sur la forme des événements, enfin dans mon dessin? Par exemple ça va faire un truc, je sais pas. Il faut que je fasse un 2 tiers comme ça et que je prie que ça laisse un 5, que ça, il reste qu'un 6e. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, il faut essayer de faire les deux en même temps comme ça. Donc, dès que vous mettez des contraintes comme ça, vous précisez la valeur de A, la valeur de B, la valeur de l'union, ça met une forme à votre espace et du coup, la vérification, est-ce que je garde la même propriété en passant en proportion, ce genre de choses, peut se vérifier. Donc ça ne dépend pas, il n'y a pas besoin d'avoir du contexte logique, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas besoin de tirer un roi de pique pour pouvoir vérifier de l'indépendance. Il suffit d'avoir des proportions d'événements. Bon, je vous laisse faire ces petits calculs, il faut utiliser les probabilités de A union B, ça se fait facilement. Je crois qu'ils ne sont pas indépendants de mémoire, mais j'en mettrai plus ma main coupée. Ça c'est une propriété officiellement au programme, on s'en servira jamais. Je vous le dis, j'ai jamais eu à m'en servir. Si des événements à un n sont indépendants, bah dans ce cas-là, les événements contraires à 1 bar, 1 2 bar et à n bar sont indépendants entre eux. Bon, à savoir, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser fortement. Voilà quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. C'est la base de tous les raisonnements. Dans n'importe quoi, à n'importe quel moment de la vie, dès que vous essayez d'établir une stratégie, c'est que vous êtes en train de faire des probas conditionnels.
C'est-à-dire conditionnellement à une information que vous avez vous, vous voulez essayer d'optimiser quelque chose. Donc la définition d'une probabilité conditionnelle. Soit B un événement de probabilité non nulle. Bon, c'est un peu bizarre. On pourrait faire ça avec une probabilité nulle et dire que la probabilité conditionnellement à un événement nul, c'est une probabilité nulle. Mais ils veulent pas faire ça. Donc, soit B un événement de probabilité non nulle, ce qu'on appelle la probabilité de A sachant B. Par définition, c'est la probabilité de A inter B sur P de B. Ça, c'est la définition. J'insiste sur ceci. Nous ne calculerons, et ça c'est un défaut que vous avez, dès qu'on vous demande une proba conditionnelle, je ne sais pas ce qu'ils vous font dans vos exos pour vous faire revenir à ça tout le temps, vous voulez revenir à la définition. Ce n'est jamais comme cela qu'en probabilité on va calculer une probabilité conditionnelle. Une probabilité conditionnelle se lit comme ça, on dit la probabilité de A sachant B. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Refaisons un petit exercice juste pour comprendre ce principe-là. Je redonne mon urne qui contient 7 rouges, 3 noirs, c'était pas les mêmes proportions, mais on s'en fiche, et 4 blanches. Les couleurs ont changé, c'est pas grave. On a fait tout à l'heure, par exemple, la probabilité de tirer une boule rouge. Maintenant, ça ferait du 7 sur 14, ok, pas de souci. C'est pas ça qui va m'intéresser. C'est typiquement, encore une fois, avec des paramètres, ce qu'on va vous demander, vous. Et ça, par contre, c'est vraiment le cœur de ce que vous allez faire si je rajoute des paramètres. Imaginons que j'ai fait déjà 3 tirages et que j'ai tiré une blanche, une noire. Allez, une rouge. Donc j'ai fait 3 tirages. Le premier tirage, ça a donné une blanche. Le deuxième tirage, ça a donné une noire. Le troisième tirage, ça a donné une rouge. Quelle est la probabilité de tirer une blanche ? Vous n'allez pas revenir à probabilité de l'intersection divisée par probabilité de l'espace total. Vous allez vous dire, j'ai une nouvelle urne qui contient une blanche de moins, une noire de moins et une rouge de moins. Et dans cette urne, donc je suppose que l'événement B est réalisé, et dans cette urne, je fais un nouveau tirage. Et donc, par exemple, la probabilité de tirer une blanche là-dedans, ce serait du 3 sur 11. Est-ce que ça va à tout le monde, ce 3 sur 11 ? Bon, bah, si vous savez me faire ça avec des paramètres, je suis heureux. Hein, vous savez tout faire dans ce chapitre. Alors oui, quand je dis des paramètres, c'est il y aura B boule blanche, R boule rouge, N boule noire. Et on aura déjà fait 4 tirages. Et enfin voilà, il y aura pas mal de paramètres. Alors... On arrêtera là avant de faire toutes les grosses formules demain, enfin jeudi en cours. Ah non, non. Ah, je fais deux fois le même clic. Bon, je m'en fiche, je l'écris pas, c'est pas grave. Je l'écris à la main de l'autre côté. Il y a un lien justement entre indépendance et probabilité conditionnelle. A et B sont indépendants. Oui, Baptiste. Oui. Non. Parce que justement, à chaque fois, tu ne feras que tirer une boule de la configuration précédente. Et on te précisera, en faisant le sachant que, tu te donnes une configuration dans laquelle tu es. Donc non, il n'y aura jamais de problème pour faire ça. Donc deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A. Si je reviens encore une dernière fois à mon histoire de surface, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Martin. Pour que des événements A et B soient indépendants, donc juste, c'est quoi la probabilité sachant B? Imaginons que je mets la probabilité de B. Je vais pas donner des événements indépendants du tout là, mais imaginez un événement A qui est là. Je vais vous faire l'événement A, c'est celui-ci. Ça, enfin en bleu, il est censé être dans le bord, mais ça c'est l'événement A dans oméga. Est-ce qu'on est d'accord que la probabilité de A est grande? Dans le sens, ça prend une grande proportion de oméga.
qu'est-ce que c'est que la probabilité de A sachant B? La probabilité de A sachant B, c'est vous oubliez oméga, vous avez un nouvel espace de probabilité qui est restreint uniquement à l'événement B, parce que l'événement B est réalisé. Donc tout ce qui est en dehors de B n'existe plus, ne peut plus se réaliser. Et donc à l'intérieur de ce nouvel espace de proba, qui est entre guillemets le nouvel oméga, on va chercher quelle est la probabilité de A dans ce nouvel espace. Bah ça, c'est la probabilité de A sachant B. Et là, clairement, la probabilité de A sachant B, elle est très petite. Donc si B est réalisé, j'ai une grande information sur le fait que A ne va pas se réaliser. Donc A et B ne sont pas indépendants. Est-ce que ça va, ce lien-là? Bon, on a encore rien fait. On n'a pas fait la moindre vraie formule, le moindre machin, mais on a fait des bases fondamentales. Ça me va très très bien. Si vous avez compris ça, c'est déjà un bon point. On arrête là, à moins que vous ayez des questions. Samy? Pas de bruit. Oui, ce que j'ai fait un exemple en bas pour vous montrer à quel point c'est dur de faire des trucs indépendants. C'est super dur à dessiner au hasard rapidement, que j'arrive à vous faire un truc qui a la même proportion des deux côtés, quoi. Enfin...